Hop là. On va tweeter. Poster. Pouette. Voilà, on peut fermer ça. Kibi, c'est nouveau ça. Salut Al. Salut Escalibert. Alors il faut que je mette ça devant. Tac, il faut que je mette Minecraft devant. Ok. Allez, et puis comme on est des fous. Comme on est des fous, on met la scène tout de suite. Avec ça, tout de suite. Voilà, c'est bien. Allez, bienvenue, bienvenue les amis. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est content, que la vie est belle pour chacun d'entre vous. Sinon, bah, on va essayer de la faire un tout petit peu plus belle ce soir. En passant un bon moment, together. Voilà. Tous ensemble. Bim, 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 bim. Alors, aujourd'hui, je pense que j'ai des petites idées sur ce qu'on va faire, vous allez voir. En fait, j'ai plein de choix. J'ai plein de choix. Alors, Placeit World. Oui, c'est lequel? C'est bon celui-là? Oui, ça c'est la copie, ça c'est l'original. Donc c'est parti. Mon kiki. Brr. Hop là. Voilà. Alors, oui, déjà cette grange est vide. Bon, ça c'est pas très très grave. La grange d'Ymir. Il n'y a plus rien à manger. Mon Dieu, c'est triste. Mais si, il y a à manger, rassurez-vous. Déjà, on peut faire un petit passage vite fait. Quelques traçounettes au sol. Ouais, je vous dis, on va pas s'embêter. On va mettre 2-3 machins vite fait, histoire de dire. Je voulais voir aussi. Ah oui, ça, il va falloir que je vais pas y couper. Ah, j'avais pris la shulker de bois. Tant que j'y étais, j'avais pas pris la shulker. Mais si, bien sûr, regardez si c'est beau. C'est magnifique. Ah oui, mais non, c'est pas la bonne crotte de glitch. C'est pas grave, c'est pas la bonne shulker. Voilà, allez, bienvenue, coucou Chrysalia, coucou Nozy Chris. Oui, je vais voir. En fait, je vais voir, parce que j'ai revu plein de trucs de Skyrim, et puis moi Skyrim, j'avais même pas été au bout, j'en avais fait un tout petit peu. Et j'avais été pris et du coup j'avais pas. Je l'avais mis de côté ce jeu en me disant qu'il fallait que je le relance. Et à chaque fois t'es pris par d'autres trucs, et puis voilà. 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 La musique est peut-être un peu plus forte, attends, je peux la baisser un peu. Là normalement, elle devrait être. Vous devriez l'entendre moins fort normalement. Hein. Si j'ai bien fait mes réglages. Vous me dites si c'est moins fort. Ah, c'est mieux, d'accord. Salut Romain, salut à ceux qui arrivent. Welcome, come. Welcome. Voilà. Alors, du coup, oui, je voulais faire juste un petit truc. En vrai, je pourrais faire un autre petit passage qui va là. Ce serait sympa. C'est le tri. Truc tout bête, mais vous allez voir, voilà ce qu'ils font de l'aménagement des choses que j'aime bien qui font que ça paraît plus réel et les choses d'un seul coup deviennent plus jolies. Oh. On va faire un truc dans ce style, et puis là on fera un petit passage par là et un petit passage par là, ça sera bien. Ouais, c'est bien. Ok, alors du coup, faut que je cherche un tout petit peu de machin. Ça, c'est pareil, cette torche-là, c'est pas top à cet endroit-là. Je préfère la mettre plutôt sur un bâtiment. Genre, on peut en mettre une torche par ici, et puis une autre torche par ici. Voilà. Ça fait plus joli que les torches au sol, quand même. Mais même s'il y a des endroits où on est un petit peu obligé parce qu'on n'a pas envie que ça pète. Parce qu'on n'aime pas les creepers, nos parisiens, hein, pas du tout. Je vais prendre un raccourci. Petit chemin de traverse. Hop là, on va passer par là. Évidemment, l'autre chemin est celui qui va à notre église romane, qui est très jolie.
Voilà. Vous l'entendez quand même un tout petit peu la musique ou pas du tout? Vous me dites, hein, quand même. Moi, je l'entends très faible, mais si c'est mieux pour vous, c'est mieux. Hein. En tout cas, c'est bien que je puisse la baisser avec le Go XLR. Un peu plus basse. Alors, attends, je sais ce qu'on va faire. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Coucou Itzari, coucou Lynn. Voilà. Là, comme ça ne devrait pas être mal. Voilà. Ah, mon Skype, merci, c'est trop gentil. Merci, Skyfrep. Et t'as perdu de la perte quand cette partie? Bon, et ça suffit, oui. Merci. Merci pour ton sub, en tout cas, c'est gentil. Trop facile, trop facile. Tu sais, avec moi, tout est possible, hein. On peut se casser la goule à n'importe quel moment. Non, puis moi, je l'aime bien cette partie, puis j'ai plein de trucs à faire dessus. Alors, ça va. C'est pas grave, si ça dure longtemps, tant mieux, non? Je sais pas. Moi, je suis content. En vrai, j'ai encore plein de trucs à faire. Il faudra que je me fasse une usine pour faire des fusées, déjà. Donc, une usine à creeper, tout ça, enfin, un truc simple, hein. On va se faire un truc simple, hein. Voilà. Oui, je voulais un petit peu de machin. Alors, on va prendre un petit peu de ça. On va prendre un petit peu de ça qu'on va pouvoir. D'ailleurs, non, il est déjà coupé en deux, donc c'est très bien. Peut-être un peu d'andésite, et puis c'est très bien. Voilà, ça suffira. De toute façon, c'est juste histoire de dire qu'on fait un petit cheminounet. Attendez, je regarde, hein, que c'est bon partout là. On est pas mal à cet endroit-là, ça c'est bien, ça c'est bien. On avait fait le cloître, donc ça c'est très bien aussi. Mignon petit cloître, sympathique. Il fait bon vivre. Perfect. Voilà. Donc ici on a le réfectoire qu'on pourra meubler d'ailleurs pour être sympa, de commencer à faire des petits trucs. Des petits trucs cool avec des petites bannières et tout ça. Et voilà, attendez. Là, je vais un tout petit peu vite en besogne. Voilà, en besogne. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est des petites traces. Toutes simples, hein, pas forcément partout, mais un petit peu. Tac. Là, on fera là. Donc là. Ok. Là. Comme ça. Et puis une dernière par ici. Et puis on pourra arriver genre là, gentiment. Voilà. Tac. Alors, on va pas en mettre beaucoup, mais on va mettre genre un truc comme ça ici, un autre là, un autre par ici, deux là, une là, et puis là, une là, une là, et on va mettre d'autres blocs. Donc, on va se mettre des blocs genre un comme ça. Je vais mettre un gravier, un comme ça ici, là ici, et puis un comme ça. Voilà, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Incroyable. Là, ici, on va se mettre des trucs pour monter. Comme ça. On va en mettre une autre par là. Et on va pas mettre que celle-là, puisque comme on en a des comme ça, on en profite. Tchac. Et tchac, ça c'est bien. Tiens, d'ailleurs. Comme ça, c'est bien. Hop là. Ah, très bien. Je n'avais pas du gravier si j'avais du gravier, bien sûr. Bon, c'est des trucs à 2 francs, 2 francs 50 même, hein, mais c'est bien. Hop, alors on va en faire d'autres là, un autre par ici. On va en casser un comme ça, tac, tac comme ça. Voilà, comme ça on voit le chemin un petit peu, c'est sympa. D'Aston normal aussi, c'est bien. Je vais en mettre une là. Voilà, très bien. Parce que ça fait la jonction avec l'herbe. J'aime bien. Ok. Ok. Pouette. Pouette. Et donc ici, on n'a plus que quelques petites traces à faire. Ok. Comme ça.
une dernière ici. Ok. Donc là, on va faire pouette, pouette, pouette. Un peu de tout, hein. Quelques mélanges. Oui, si, ça, c'est bon. Voilà, très bien. Donc là, ensuite, on peut remettre un petit peu dans des hits à l'occasion. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme bloc? De la cobble et puis serre. Pouette. Voilà, c'est des petits détails, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Bon, ça fait. C'est sympa. Voilà, comme ça on voit qu'on peut passer par là, par là. Hop. Ça mène à tout. Oh, il pleut. Allez, on va se mettre à l'abri. Et on va commencer à meubler des trucs. On va meubler des trucs. Alors, dans un premier temps, il faut que je fasse pas mal de bibliothèques. Donc, on va essayer de se trouver pas mal de bibliothèques. Je prends les raccourcis, hein, pour s'embêter. Non seulement pour les bibliothèques, bien sûr, mais pour les trucs de l'éterne, etc. Coucou Adrial. Coucou à ceux qui arrivent. Salut Minecraft pour débutants. Bon, j'ai pas les... Je regarde pas les noms de tout le monde. Ah, Mélodie, je sais plus si j'ai dit bonjour à Mélodie. Oh, ça se compte deux. Oh, incroyable. Ok, donc tout ce qui est gris, eh ben, comme c'est gris, c'est pas beau. Donc on se met ça là-dedans, parce qu'on n'en veut plus pour le moment. Voilà. Tout le reste, là j'ai un peu trop de dirt sur moi. Donc on va s'en coller un stack par ici. Par ici, madame. Ça, je peux laisser là, voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, du coup, du bois, je vais en avoir besoin de pas mal. Pour les décos. Ça, je peux quand même le laisser là. J'ai du spruce. Un truc comme ça. Qu'est-ce que je mets sur les tables? Peut-être de la laine. De la laine, je vais en avoir besoin aussi si je veux faire des petites bannières. Ça pourrait être sympa. Moi, je dis... Ça pourrait être cool. Faut que je me rappelle aussi. Parce que les bannières, ça change tout le temps. Ouais, on s'embête pas, on fait juste des couleurs simples, sans truc compliqué. Pour faire les bannières, maintenant, c'est des looms. Hein. En plus, on s'était embêté à en faire. Enfin, je sais plus comment. Qu'est-ce que c'est qu'il faut faire. Attendez. On va rechercher plutôt là, comme ça sera plus simple. Search. Non, c'est là. Non. Si. Si, c'est ça. Alors, c'est ça pour faire les bannières, hein, je crois. Donc, il faut deux ficelles et deux bouts de bois. Bon, il me faut des ficelles. J'en ai peut-être là-dedans. Toujours en train de tuer des araignées. Pas de ficelles ? Bon, c'est pas grave. On va s'en trouver. Et bienvenue à ceux qui arrivent. Welcome. Bon, sinon, pire, j'en ai la salle des coffres. Hein. Sinon, il suffit de se promener, tuer deux, trois araignées, et puis on les a nos fils. Ah oui, puis il y a les ponts que je voulais faire aussi. Mais en fait, on a plein de trucs à faire. Je voulais faire des maisons aussi pour les bignous là-bas. Et là, il y a un pont qu'il faut qu'on fasse aussi par là. En fait, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tiens. Je dégomme parce qu'on a besoin de la poudre de perles à papin. Je vais bientôt plus avoir beaucoup de fusées. Donc du coup, on a donné ou pas? Oh, c'est pas gentil, ça. Il n'y a pas d'araignée à cet endroit-là. Bah là. Bon, il y a des squelettes. Mais nous, les squelettes, on s'en fiche. Par contre, il y a... Voilà, c'est bien ça. Je sais pas où est-ce que... Comment il est apparu de où, lui. Bon, c'est pas grave, on va se prendre deux ficelles. Et je vais commencer... on va se faire le réfectoire vite fait, parce que ça, c'est assez rapide. Et on va se faire quelques petites bannières. D'ailleurs, on peut les faire là-bas. J'aime bien, puisqu'on a de la laine, on a tout ce qu'il faut. Ça va, Christin?
Ça va, mon Dudu? Hop là. Allez. Donc on va commencer. En fait, les lumières... Oui, ça, cette pièce-là, c'est pareil, elle n'est pas encore aménagée. Je sais plus qu'est-ce que je voulais faire à cet endroit-là. S'il y a les coffres, en vrai, on pourrait presque se faire une jolie cuisine à cet endroit-là. Ça serait pas bête. Une grosse cuisine de château. Dans ce cas-là, ça veut dire encore une cheminée et tout ça. Ah oui, regardez cette bannière. Il y a des bannières. On a des bannières. Voilà. Salut, Padès. Bonne année également. Salut, Mélanie. Bien sûr, bien sûr. Hein. De toute façon, techniquement, si on suit les traditions, on a tout le mois de janvier hein, pour souhaiter une belle, heureuse année et une bonne santé à tout le monde. Hein, donc, vous avez encore du temps. Pas de soucis de ce côté-là. Pam. Ah oui, j'ai vraiment qu'une seule. J'ai plus de gunpowder du tout. J'en avais pas des fusées d'avance, moi. Ah si, j'en ai encore un stock. Pas de panique. Tout va bien, tout va bien. Attends, par contre... ça, j'en veux pas. Voilà. Et on voulait des ficelles. Deux ficelles. Un, deux. Ça, celle-là, on les met là. Voilà. Deux ficelles, deux bouts de bois. Et puis, on se fait un loom. Vite fait. En laine, j'en ai pas des masses, mais on va pouvoir aller chercher sur les moutons. Et merci à Mélanie du 72 qui a reçu pour son 36e mois. Hey, 36 mois, c'est ton anniversaire. Trop bien. Merci Mélanie. Et joyeux anniversaire, c'est super gentil. Puisque 12, 24, 36. Ah, voilà, je suis pas fou. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bête, ça, ce qui est frette, hein, je vous jure. Salut Retrohead. Ah bah voilà, bah, tu vois. Salut Dedel. Voilà. Je te jure. Le pire. Allez, deux petits bouts de bois. Peu importe. Peu importe. Un, deux. Pitch. Choc, choc. Je vous jure. Bim et bim. Paf, on a un loom. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, le loom. Pourquoi j'ai mis un lectern ici? Ça sert à rien. Je vais m'en servir de ça. Je vais m'en servir. Hop là, je vais plutôt mettre un loom ici, c'est ce qui me paraît le plus logique. Hein. Ah, bien sûr. Voilà, donc il fallait... Alors il faut mettre une bannière, des couleurs... Ah oui, il y a des patterns. Comment est-ce qu'on fabrique ces trucs-là? Vous savez, les patterns, là... je me rappelle plus du tout... Je me rappelle plus du tout, crotte. Comment est-ce qu'on fait ça, déjà? Dès que tu fais plus un truc, que tu pars dans d'autres jeux et tout, après t'es paumé. Bannière, attendez, je regardais vite fait. Je me rappelle plus. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Comment est-ce qu'on fait les machins? Comment est-ce qu'on fait ces trucs-là? D'accord, d'accord. Qui est ce vilain? C'est vieux ça. Bon. Pourquoi est-ce qu'il met ça lui? Il s'en fout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors merci Cobra qui m'a offert son subprime pour son 4e mois. Voilà, voilà, voilà. Ah, attendez, il faut que je remette mon truc devant. Vous en rappelez ou pas, vous, les amis? Comment est-ce qu'on fait les trucs, là? Non, non, pour faire là, les patterns comme ça, là, les feuilles, pour faire, pour dire, je mets une bannière de couleur, puis paf, ça me fait un motif, là. Je me rappelle plus, tu l'as écrit. D'accord, elle a écrit. Alors attends, je vais retrouver où ça. Un motif.
Parce que les deux ficelles et les deux bouts de bois, c'est ça. Bah attendez, vous savez pas quoi? On va faire simple. Donc je vais me faire une bannière. On va se faire une bannière blanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais qu'il faut 6 de laine et un bâton, si je me rappelle bien. Déjà pour faire une bannière quelconque. Hein. Hop, 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 hop. D'accord? Donc là j'ai une bannière. Voilà. Paf. Ça c'est bon, je me rappelle. Maintenant, admettons que je prenne. Alors je veux un colorant rouge. Admettons. Hein. Tac, tac. Tac, tac, tac. Ça c'est bon. Ok. Ah, attends. Ah, j'avais pas vu ça. Les motifs de bannière, ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour les avoir? Ah oui, d'accord, c'est avec un bout de papier. D'accord, avec un bout de papier. Alors ça, c'est pour avoir les fleurs ou les machins ou le truc de bridge. Ah, mais sinon, on n'est pas obligé. Alors attendez, oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé. Ça, c'est juste pour avoir un motif. En tout cas, merci Lynn pour le lien. Merci pour le lien. Ça, c'est pour avoir les motifs. Scapine en forme aujourd'hui. Hein. Mais par exemple, si je veux, je sais que si je veux faire, admettons, là, attends, c'est pour mettre de la couleur. Hein. Voilà, bon, bah, il n'y a pas besoin, en fait. Oui, d'accord. Je me rappelais plus s'il fallait, par exemple, si je veux faire une croix comme ça, je me rappelais plus s'il fallait absolument que, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ok, du coup, je peux faire des bannières sans forcément mettre de motifs dedans. Voilà, c'était ça mon truc. C'était ça le truc en fait. Voilà. Parce que bon, des bannières, on peut en faire quand même quelques-unes. Purée, il faut quand même pas mal de laine. 24. 1, 2, 3. 30. On va s'en faire plusieurs. Et puis des différentes, comme ça va être joli. Ils sont les bâtons. Là. Tchoc, tchoc. Paf, alors admettons, bon bah là évidemment j'ai fait que des blanches, mais on peut faire des tas de couleurs. Alors pour copier une bannière, je sais qu'il faut mettre une bannière ici, une bannière là, à côté, et paf, là il me la copie, c'est parfait. Et on peut faire d'autres trucs avec d'autres couleurs. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire comme couleur? Je regarde dans les colorants. Les colorants, j'en ai là des colorants. Évidemment, j'ai pas de bleu, sinon ça serait trop fastoche. Crotte de bique. Bleu, c'est lapis lazuli. Voilà. Et merci à Jean Kaiser qui a reçu pour son 48e mois. Oh, mais dis donc, 4 ans, bonne année, bonne santé, et bon 4 ans, mais merci à Jean Kaiser. Oh, mais dis donc, c'est aujourd'hui, c'est les anniversaires. Bah. Voilà. Bah, si, t'es bon. C'est là. Si c'était le même, il était bon le lien. Je te jure. Faut arrêter de picoler, les amis. Hein. Ouais, là, oui, d'accord. Et merci, monsieur Yoyo du 62 qui a un ça va. Je te jure. Et coucou Adina, merci pour tes 100 bits, c'est super gentil. Je te fais un gros bisou Adina. J'espère que tu vas bien et que la vie est belle pour toi. Oh là là. Alors du bleu, du rouge, du saucisson. On va s'en faire un petit peu comme ça. Pouette. Pouette. Alors on va prendre sur notre loom. Tac. Donc on va se prendre des bannières ici. Alors avec du bleu, on va en mettre 15, ça suffit. Qu'est-ce qu'on va se faire comme truc? Un truc un peu de traviole, ça va changer. Celui-là, on a une croix rouge, on va mettre... On peut faire un truc bleu comme ça, ça peut être sympa. Tiens. Voilà, deux bannières comme ça, on a le droit. Tac. Je vais les faire en double, hein, les bannières. Hein. Voilà, comme ça, on en a deux comme ça. Ok. Et enfin, on va prendre une autre couleur. Marqué, on aurait pu prendre un motif, du coup, puisque c'était avec une feuille de papier.
ça peut être sympa. Et puis prendre, ah oui, avec une fleur. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre comme couleur? Du violet, par exemple. Ça pourrait être joli, ça. Tiens, on va essayer. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et je crois que c'est une fleur qu'il faut pour faire le... C'est les machins des îles. Je crois que c'est... Si je me rappelle bien, c'est ça. Si ma mémoire est bonne. Et merci Al qui a reçu pour son 70e mois de sub Nevel 3. Incroyable. Tiens. C'est presque 6 ans d'âge, tu m'en diras des nouvelles. Eh ben merci, merci Al, c'est super gentil. C'est vrai, hein, le temps avance, hein, dis donc, truc de fou. Hein. Incroyable. Alors là, par contre, ah oui, il me faut une feuille de papier pour aller aux toilettes, c'est bien. Pff, n'importe quoi, n'importe quoi. Ok, est-ce que je peux la crafter là, admettons ça et ça. Ouais, regardez, hop, ça marche. Donc admettons, si je veux faire... Si je ne m'amuse, admettons un truc là, ici, avec... on peut faire, admettons... attendez, pourquoi je le mets dans le stone cutter? D'accord, ça... pourtant j'ai pas bu. On met ça là, puis on dit la couleur qu'on veut, et paf, ça nous fait un truc comme ça. C'est sympa ça. Est-ce que ça serait pas sympa avec une autre couleur? Non, c'est bien, ça change un peu. Allez, très bien. Et du coup, comme on aime bien, je vais reprendre ce pattern-là, c'est bien, c'est cool. Non, pas ici, pas ici. Il faut que je mette dans mon inventaire perso. Voilà, une autre bannière qu'on va mettre ici, ici. Et c'est parfait, Madame Chombier. Voilà, c'est bien. Bon, c'est bien ça. Donc du coup, non, c'est les colorants, pardon. Bah dans les colorants, je vais mettre aussi des patterns, des trucs comme ça. Hein. On va les mettre dedans. Parce que c'est quand même groupir, rester groupir. Là, on a six bannières, c'est chouette. Dans les colorants, je peux remettre ça. Ça, on verra après, vous allez voir. Que le lecteur, non, je vais le garder. Mais pour une raison bien particulière, vous allez voir. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. De toute façon dans un monastère, bon bah ça va être tout simple. On pourra faire quelques tableaux. Quelques tableaux, j'ai pas rangé mes bâtons, non. C'est bien. Poète... Ah non c'est de la laine qu'on met au milieu. Je suis pas du bon côté. C'était pas du bon côté dis donc. Peu importe les couleurs, on s'en prenait comme ça. Et là, on va faire hop. On peut en faire 4. Et ben, 4, c'est bien. Et voilà. Alors, du bois, j'en ai dans la shulker qui est là-bas qu'on va prendre. Et on va se faire déjà dans un premier temps. On va se faire vite fait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'y passer 3 ans. Le réfectoire. Ça, on sera pas en retard. Au dortoir, au réfectoire et au plumard. Quand même. Très important. Sonner notre arrivée. Ok. Je vais carrément prendre la shulker. Bon, on va se balader avec. Ça sera très bien. Table de craft, j'en ai une sur moi, c'est parfait. Hop, hop, et voilà. Donc du coup, on va se faire, plusieurs trucs aujourd'hui. On va se faire une déco d'une salle. On va se faire un test de petite maison. De petite maison de paysan, j'ai envie. Et ça va être sympa. Alors... très important, très important. En vrai, je pourrais le camoufler là-dedans, ça pourrait être rigolo, près de l'escalier. Mais il pourrait râler. On va le mettre à un autre endroit, lui, où est-ce qu'on va le mettre? En fait, des bannières, 1, ah si, 1, 2 et 3. Oh, bah, c'est pas mal, regardez bien. Vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, tac, tac, voilà. Donc, chaque...
Il y a des tribus hein, dans les machins, hein, bien sûr. Ah mince, ça c'est en double. Zut, c'était pas prévu ça. Bon, c'est pas grave, on va en mettre une par là. On va s'en mettre une autre. La bleue plutôt par ici. Hop. Voilà. Donc ça, ce sont les bannières hein, des maîtres des environs. Et donc, comme l'abbaye est autonome, mais il y a des donateurs, il y en a qui viennent à la messe, tout ça. Donc, il y a trois seigneurs des environs qui viennent à cet endroit-là. Donc, c'est très bien. Voilà. Vous me l'achetez hein? Ouais, si, c'est bon. Allez, on va dire que c'est bon. Et puis, ça fait des petites décos, c'est sympa. Donc, du coup, je vais mettre une autre bannière. Là, je les ai mis plus hautes. C'est vrai que je les ai mis un peu plus hautes. Je les ai mis hautes comme ça. Ça, elle est pas assez haute du coup. Hop là. Puis d'ailleurs, là, je vais mettre plutôt celle-là. Allez, joli. Hauteur de fenêtre. Attends, elles sont à la bonne hauteur. Hein. Oui, à peu près. À peu près, c'est pas mal. Je vais en mettre une autre par ici. Et puis on va mettre une autre par là-bas. Paf. Comme ça, c'est bien. Des petits tableaux. Alors là, on peut mettre des. Qu'est-ce qu'on. Alors, non. Quand même. Quand même, on est dans un monastère, soyons sérieux. Donc on va mettre ça ici. Si je veux le coincer, je vais en mettre deux. Alors attendez, tout dépend quelle dimension et quel tableau on va mettre. Si je mets là. Oui, bah celui-là, parfait. On est d'accord, hein. Celui-là, il est très bien, celui-là. Pour un monastère. Il y en a d'autres qui sont pas mal hein, pour les monastères. Donc lui, il est bien, comme ça. Puis on va s'en mettre un autre par ici, moi je dirais. Choc, choc. En fait, il sert à rien. Ça, c'est un petit peu glauque. Ah, c'est allumer le feu. Allumer. On va voir. Salut à ceux qui arrivent. Hein. Salut Zederka, salut bah, ceux qui arrivent, quoi. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Ça, c'est un peu... ça, c'est pas mal. Hein, même si c'est, il ressemble un peu... ça pourrait être Socrate. Donc, pour un philosophe. Mais bon, allez, pourquoi pas. Puisque, à savoir hein, que les moines au Moyen-Âge, c'est eux qui traduisaient tous les trucs grecs. Hein. Voilà, voilà. Si, c'est bien. Oui, il y avait une symbolique. Le feu, la flamme de la foi, tout ça. Oui, ça peut être valide. Ça peut être valide. Du coup, je vais en mettre un autre de l'autre côté, quand même. On va s'en mettre un autre par là. Bah d'ailleurs, celui qu'on avait pouvait pas être mal. Donc on va le mettre ici. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ils sont les tableaux sont là. C'est pas lui. C'est pas lui. Décidément, il se moque de moi. Hein. Lui, on l'a déjà. Il veut pas me le redonner. Hein. Il a dit que nenni, que nenni. On va pas mettre deux fois le même. Ah voilà, très bien. Ouf, on a eu chaud. Voilà, très bien, très très bien, très très bien. Par contre, une porte comme ça pour... Oh si, il y en avait des charrés, mais j'aurais préféré... Ouais, bah c'est pas grave, on verra ça plus tard quand on fera le machin. Alors, la déco, on est pas mal. Donc maintenant, c'est des tables et des chaises, hein. On va pas s'embêter, hein. Je vais vous dire qu'on va faire du simple, hein, histoire qu'on voit qu'on arrive dans un réfectoire, quand même. J'ai de la laine. Qu'est-ce que je vais mettre sur les tables? Le problème de la laine, c'est qu'on peut rien mettre dessus. Ah si, ou alors je mets des blocs centraux. On peut mettre des blocs centraux et dans ce cas-là, je vais mettre de la laine marron autour. Et vous allez voir, on va se faire un truc sympa. On va se faire des tables cool. Alors, pour faire ça, je vais avoir besoin de béton. Que sont les blocs que j'ai le plus? Ça sera, c'est vraiment du spruce que j'ai le plus. Donc on va faire hop, 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 hop. Ok, quelques bâtons. Voilà, très bien. J'avais une table de craft là-bas. On va s'en servir. Oui, il faut que la laine soit fraîche. Ouais.
Pour ça, il y a Hollywood Chewing Gum, c'est ça? Je te jure. Alors, donc on va se faire quelques... ils sont où? Ils sont là. Je vais en faire quand même quelques-unes. Voilà, je sais même pas si ça suffira. Allez, ça fera bien l'affaire pour le moment. Ou allez, vous savez pas quoi, soyons fous. On fait tout. Allez. On fait tout, on est des dingues. Ok, au milieu, je vais mettre des... Je vais mettre du spruce. Ça dépend, le marron, de quelle couleur il se rapproche le plus. En fait, il faudrait que je colore quelques moutons. Ce serait plus simple. Hop. Hop. Très bien. Je suis tombé à l'eau. C'est pas grave. Hop. Et hop. C'est bien, j'en ai 8. Ça fera bien l'affaire. Alors. Bon là, est-ce que j'ai une pince? Ah super, j'ai des cisailles sur moi, très très bien. Fusée. Paf. On va aller voir les moutmouts. Salut les moutmouts. Alors ça farte les gars? Oui. D'accord. J'ai toujours fait rien. Tac, ok. Allez. On veut des petits marrons, nous. Okay. Et encore un. Encore un. Très bien. Hop. Et hop. Donc du coup. Tac. Venez là, mes petits. Bon, tu me diras après, je peux en couper toutes les couleurs. J'ai cru voir un gros minet. Ouais, j'ai vu un gros minet. Il va se saouler, lui. Il est où? Désolé, hein, les gars. Ça va, on a perdu personne, là? Bon, on a eu chaud. Ils le font exprès, hein. Parce que dites-moi... ah, si, il venait de loin, et puis il est monté, d'accord. Pourquoi pas? Parce que comme ils peuvent pas spawner à l'intérieur, ils se gênent pas... ils se gênent pas, les bétails, hein. Combien j'en ai, de la lait de marron? 18. C'est pas mal, hein. Non mais restez pas là. Vas-y, va brouter toi, Boubours. Va brouter. Ils réfléchissent. Mais c'est ça. Non, il n'y en a pas un autre qui veut... On peut prendre du bleu en attendant. Ça sera pour mettre dans la réserve. Longue vie à notre cire. D'accord. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé la semaine dernière, que ça tournait, tout ça. Ouais, je vous l'ai raconté. Vendredi. Qui m'est arrivé un truc incroyable. Tiens, un autre marron. Ouais, bon, allez, c'est bien. On va pas attendre 300 ans. C'est pas grave. Oh, mon raid. Merci, mon raid. Bon joueur. Et bisous, mais moi aussi. Mon petit raid qui a pris un an de plus il y a pas longtemps. Merci beaucoup, mon reste, je te fais des gros gros bisous, mon pépère, et j'espère que tout va bien pour toi. Que la vie belle et tout ça. Ah. Et merci à Ikishi33 qui a resub pour son 40e mois. C'est-il pas beau ça, madame? Eh. Merci les amis, hein. Merci beaucoup. Merci à Ikishi, je te fais un gros bisou, c'est très gentil. Ok, donc là on a Brown Wool. Oh bah oui, mais non, mais il me faut un nombre pair. Il me faut un nombre pair, donc il en manque un. Regardez bien, il y en a un là-bas, il y en a un. Il a poussé. Ça repousse vite, hein. Regardez. Et hop là. Voilà. Combien il y en a eu? 22. 22, 22. C'est ok. Hop. Allez, on va faire les feignants. Ça va plus vite comme ça. Et d'ailleurs, le réfectoire, il est de l'autre côté. Donc comme il est de l'autre côté, le réfectoire, on y va de ce pas. Chers Zaza, chers amis. Hop là. Et voilà. Fermez les portes, très important. Ok.
Donc on a de la laine marron pour faire des carpettes. Et pan 33. C'est ce qu'ils disent les Anglais quand ils ont mal au foie, c'est ça. On va faire des petits abrets. On va tout faire en spruce. On va pas s'enquiquiner. On va tout faire en spruce, les amis. Ça va être bien. Pour les... Je suis en train de me demander... Ouais, non, on va pas s'embêter. On va faire ça, ça. Ah, sauf pour le mini, attention, il faut que je garde des trucs comme ça. Ok. Ça fait un peu beaucoup. Et merci, Kishi qui a offert un sub à Christo. C'est trop gentil. Ah, t'as pas mal de taf en ce moment. Au donjon des Cassiens ou juste à l'école? C'est possible, hein. Avec les écoles, ça prend du temps. Et donc, du coup, voilà. Alors, donc on va faire des grandes tables. Et ben, j'ai mangé, j'ai presque tout mangé mon truc. Alors que je voulais pas tout, il fallait pas que je prenne tout. On va se faire des grandes tables. Et tiens, ça, on va le rajouter avec les copains. Et on va se reprendre un petit peu. On va se refaire ouais, un stack. De toute façon, ça sera usé. Ça sera utilisé tout ça. Tac. Ok. Ok. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'au milieu, je vais mettre trois bouts de bois comme ça. On va mettre des contours comme ça. Je teste. Hein. Voilà. En fait, l'avantage, c'est qu'au milieu, là, on pourra mettre des trucs. Et intelligent. Hein. Coucou, Finisha. L'école. Ok. Ok. Et donc, du coup, on va mettre des carpettes autour. Des belles carpettes. Qu'on va mettre là. C'est des grandes tables. Hein. Voilà. En même temps, les moines sont nombreux. Donc, on va faire... Alors, j'ai déjà vu un peu de tout dans des monastères. Il y avait des petites tables, des très grandes tables où ils mangeaient tous ensemble. Enfin, j'ai vu un peu de tout. Donc, du coup, là, on va faire un melting pot de tout ça. Un mélange, quoi, en fait. Alors, là, il faut que je puisse passer. Si je mets une chaise ici, il faut que je le décale d'un cran. Donc, on va le mettre, admettons, par là. Ce serait bien. Comme ça. Ouais, c'est bien. Faire des tables comme ça, hop, bam, pim, 1, 2, 3, tchac, et on va refaire une dernière redécalée, je sais combien d'espace là, on a laissé deux blocs, c'est bien deux blocs, et là, tac, on va mettre des blocs ici, oups, perdu. Je pourrais même en refaire une autre, dis donc, je pense. Une autre table. Est-ce qu'on la décale pareil? Non, ça va pas aller. Il faut que je la mette de façon différente. Donc on va la mettre genre 1, 2, 3, comme ça. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Et là, ils vont pouvoir passer. Ou on la fait plus petite. Allez, enfin un peu plus petite. C'est pour les cadres. Voilà. C'est pour ceux qui sont le plus haut dans la hiérarchie des moines. Mais comme les premiers seront les derniers, du coup ils sont mal. Ouais, c'est pas grave. Et inversement proportionnel. Oh, je vais pas avoir assez de charpettes moi. En crotte. Je pensais que j'en aurais assez. Et ça fait des tables sympas comme ça, j'aime bien. Ça change un peu. On va se faire des petits pots aussi, qu'on va mettre sur les tables. Genre, c'est des verres, des machins. On va pas s'embêter. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'éléments qu'on peut mettre à cet endroit-là. Alors donc, il faudra refaire des carpettes, d'accord. On va placer les fauteuils. Allez, qu'on va mettre là, par là. Alors, je regarde, donc, 3, on peut mettre hop, hop, hop. Ouais, comme ça, c'est bien. Ok, voilà, comme ça il se dérange pas pour manger, c'est parfait. Pour ça que je les ai mis légèrement en quinconce.
Bon, tiens, compte toi-même. N'importe quoi. Ouais, ça c'est long. Hop, hop. Bim et bim. Ok. Et enfin, The Last One, qui sera ici. J'ai combien? Ah, on a crotte. Ah oui, ça marche pas dans ce sens-là. Zut. Bon, bah, ils sont encore moins nombreux que prévu. De toute façon, là, ça bloquait l'entrée, ça n'allait pas. Tac. Voilà. Donc là, c'est une plus petite table. C'est pour les pions. Ok. Ça, c'est bon. Alors, on va pouvoir se faire des petits pots. Alors, il est bien, mon réfectoire, là. Regardez-moi ça. On pourra même mettre éventuellement des petites tables au bord, là, pour passer des plats ou des machins ou les desserts, comme ça, ça va être propre. D'ailleurs, je pourrais même mettre des trapdoors à la place. Ça fera bien. Oh, ça fera bien, ça. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, je suis d'accord. Combien il faut? 4. Hop. Donc, j'ai plus de bois, si on va refaire. Allez, pan. 4 trappes d'or, parfait. Oui, des bougies, bien vu, mais bien sûr, c'est vrai qu'on a les bougies maintenant. Merci pour tes 100 bits, Adina, c'est trop gentil. Je sais plus comment on fait les bougies, mais vous allez me le dire. Alors, faut de la ficelle. Je me rappelle qu'il faut de la ficelle. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Je sais plus. Voilà, on va trouver vite fait. Du miel? Ah, d'accord. Ça marche. D'accord, ficelle et miel, très bien. Le miel, il le faut comment, le miel? Parce que j'en ai des ruches, moi. Attention. On va voir. C'est du miel comment qu'il faut? En bouteille? Des rayons? La bougie. Non, pas en bouteille. Ok. On va voir, on va voir. Des rayons? Ok. 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 On va faire ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée, les bougies. Donc des bougies et des pots, j'ai dit. C'est à boire, à boire, à boire. Il me reste de la clé. Oh, hey, je suis trop fort. Vous voyez, l'intérêt, je m'étais dit, il ne faudra pas que je crafte tout parce qu'on en aura besoin. Ouais, ça ira. Ouais, ça ira. Ça sert à rien d'en faire 50 milliards. Ça c'est bon. Alors du miel. On en a du miel. On va en prendre. C'est vrai. Des bougies en pot, c'est joli. Alors, mesdames, avez-vous bien travaillé? D'ailleurs, tiens, on avait dit qu'il me manquait... Ah ben non, j'avais pas besoin de... Je suis bête, c'est pas grave. Les moutons, ils ont dû repousser. Alors, du coup... Comment ça se fait? Ah bah oui, c'est vrai qu'on avait vu qu'elle marchait plus, celle-là. Donc, c'est ça, hein. C'est ça qu'il faut mettre, je pense. On va mettre ça. Merci, Queen Chouchou! Qui me fait un beau raid! Coucou, Aurore! Voilà, salut le triomphe. Coucou Mandrin, merci pour tes 100 bits. Merci beaucoup pour ton raid, chouchou. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je te fais des gros bisous. Je crois que je t'ai déjà souhaité la bonne année. Hein. Je crois que je suis déjà passé sur un de tes lives. Au cas où, je te re-souhaite une bonne année, une bonne santé surtout. Voilà. Voilà. Salut Timogwai. Salut à ceux qui arrivent. On est sur Minecraft. On s'amuse comme des petits feufeux. Et je suis en train de faire un réfectoire dans un monastère. Incroyable. Parce que derrière l'abbatiale qui est là, il y a une abbaye, bien sûr. Et donc, je me suis dit que j'allais décorer un petit peu quand même. On va avancer salle par salle.
Et ça va être sympa. Voilà. Et salut à toi, Drakinar. Voilà. Et bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Welcome, come. Donc du coup, alors j'ai plein de salles à décorer, mais on va les faire une par une, tranquillou. Et pas spécialement aujourd'hui, j'ai oublié de tondre mes moutons, bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Hop, j'ai oublié mes moutons. Mes moutes, parce que je suis en train de faire des tables. Voilà, et donc on a des moutons là-bas. Oh, j'ai des élytras, ça aide. Olé. Hop. Allez, salut les moutes. Ah, oh, Mandrin, quelle gentillesse ce Mandrin. Merci à Mandrin qui a offert 10 subs à la communauté. Je te fais des gros bisous, Mandrin. C'est super gentil. Et apprécié, en plus. En compte. Gros bisous à toi, Mandrin. Merci beaucoup de me soutenir. C'est vraiment sympa. Ok. C'est tout ce qu'on a là. Combien on en a 10, ça fait combien de carpettes ça? 75, on en a peut-être assez, remarque. Bon, après, au pire, si on en a besoin d'autres, on reviendra. Arrêtez de me pousser, les gars, là. Ah bah si, c'était bon. Alors que si je mettais une carpette là, ça serait tellement facile de sortir. Ça y est. Ils vont nous saouler, là, les bestiaux, là. Tu veux jouer avec moi, toi? Ah, voilà. Il est fou, lui. Des ficelles pour faire les bougies. Je crois qu'il faut un briquet pour les allumer aussi, ça marche. Hein. Si je ne m'abuse. Je crois bien. Hein. File la laine de mes moutons d'ondaines. File quenouilleuses et quenouillettes. Pour les chaussettes. N'importe quoi. Ça, je vais les mettre dans les colorants. Brandy, colorant. Là, les colorants. Oui, c'est bien. Je vais garder ça, je vais garder ça. Ça, j'en veux pas. Et tout le reste, on peut garder. Ah oui, si, alors la ficelle, justement. Alors de la ficelle. Je sais pas combien on va en mettre des bougies. De toute façon, on peut en faire pas mal. Hein. On peut en faire pas mal. Alors, par contre, je sais pas comment ça se craft. Comme ça, regardez. Paf! Ah, c'est carrément un machin, une ficelle. Bah, du coup, on va en faire plein. Et 32 bougies. Elle est pas belle, la vitre. Et ouais, et en plus, j'aurais pu en mettre dans mon église. J'en ai. Faut dire, l'église, on l'a pas décorée non plus. Hein. Moi, j'aime bien l'architecture, la déco. C'est pour ça que j'aime bien jouer en multijoueur. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand je fais un peu de déco, bah après on se dit c'est quand même plus joli. Quand t'as de la déco dans des pièces, c'est quand même plus sympa quoi. Alors un briquet, magnifique. Bah voilà. Alors par contre il y a des trucs qu'on a en trop, genre ça, bureau PC. Et ça je les remettrai dans le truc. Et ça aussi. Bah, c'est bien. Qui est ce vilain ? C'est vrai qu'on peut faire des bougies de couleurs différentes. Mais moi, je vais pas faire des couleurs différentes parce que au Moyen-Âge, je suis pas sûr qu'il y avait des bougies roses, bleues, vertes et oranges. Puis comme j'aime bien faire un petit peu RP, les bougies comme ça, je les trouve jolies, moi. Elles sont sympas, ces bougies-là. Donc du coup, on va les garder comme ça. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, on aurait pu les colorier, c'est vrai. Voilà, donc nous arrivons dans notre abbaye, où nous avons le fameux jardin des simples, avec des plantes médicinales, puisque c'était les moines de l'époque hein, qui guérissaient tous les gens, tout le monde. Nous arrivons dans le cloître, où nous pouvons méditer, tourner en rond et réfléchir au sens de la vie. Et d'ailleurs, pourquoi ça, c'est pas là, c'est là. C'est bizarre, j'ai mis une torche en bas. Et nous voici, chers amis, sous vos yeux ébabas, sous vos yeux ébahis, dans le réfectoire. Où est-ce qu'ils sont les... Ah, elles sont là, les carpettes. J'espère qu'il m'en manquait pas trop.
Voilà, pour faire les grandes tables comme ça, ça fait joli. Et bon, on a même 4 d'orabes. Ah, ça aurait pu être les 4 là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Alors, pour la déco, ce que je vous propose, ce qui pourrait être sympa, vu que j'ai 9 pots, on pourrait mettre, admettons, une petite bougie au centre. Comme ça, ça fera de la lumière. Et puis, 2 petits pots sur les côtés, pour dire c'est des verres ou c'est des machins pour trinquer. Hein, des... Voilà, par exemple. Hein. Ou on peut alterner aussi, hein, on a le droit. Hein. Bien sûr, on va rallumer la bougie. Hein. Par contre, ah oui, c'est vrai qu'on peut en mettre 2. Ah, on peut en mettre 2 sur le même truc. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Ah, bah, je m'en rappelais plus, dis donc. Ça fait comme les concombres de mer. Ah. Salut, Noi Matrix. Bienvenue. Voilà, et bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps, bien sûr. Les plantes distillées pour faire chartreuse ou bénédictine. On voit les connaisseurs. Là, je vais en mettre... ah, ou je vais la mettre plutôt sur le côté. Comment je fais pour les récupérer à la Silk Touch? Pas de problème. Donc on peut... 3, ça fait joli aussi. Regardez, c'est sympa, ça. Petits éclairages comme ça. Voilà, puis on met des pots. Comme ça, en déco, ça fait sympa. On dira que c'est du vin, hein, quand même. Tac. Enfin, je peux en mettre qu'une, hein. Je suis pas obligé d'en mettre 50, hein, des bougies. Hein. Voilà. On fait simple, hein. J'ai dit qu'on faisait simple. Puis là, ils ont pas soif, s'ils ont soif, mais une bougie, c'est plus joli. Paf. Voilà. Très bien. Voilà, petit réfectoire, bien sobre, comme on aime. Par contre, dis donc, les bougies, on les voit pas de loin. Hein. Attends, je regarde, on s'éloigne comme ça. Regardez, on a l'impression qu'elles sont éteintes alors que je suis quoi, à 10 blocs. Oh non, un peu plus loin. C'est dommage qu'on voit pas de très loin les bougies. Je me demande ce que ça donnerait. J'en ai des barrières un petit peu. On va aller voir. Ah oui, mais faut que je monte à l'étage. Alors, vous allez voir la ruse. Alors, on va monter à l'étage ici. Pourquoi? Bah parce que. Parce que quand on monte à cet étage qui est là, pas loin, celui-là, admettons, voilà, on a un passage secret qui nous emmène directement dans l'abbatiale qui est là, romane en plus. Pourquoi j'ai pas de porte? Je sais pourquoi j'ai pas de porte. Parce qu'il y a des zombies qui se sont énervés par là, à mon avis. Presque sûr. Voilà. Donc là, on pourrait mettre genre un petit hôtel. Ouais, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Puisque ça, dans les églises romanes, normalement, les 2 petites absides qui sont là sont très souvent des reliquaires. Donc on pourrait dire que dans le mur, il y a des reliques. Et puis là, on va faire un truc dans ce style avec 3 petites bougies. C'est vrai qu'on peut en mettre plus. Hein. Ça fait joli. Comme ça, et puis que là, allumer le feu. En fait, je fais ça, c'est pour voir si de loin on voit, on les voit plus ou pas. Si ça éclaire ou pas tellement. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais écoutez, c'est sympa quand même. C'est sympa quand même. C'est sympa quand même. Voilà. Bon, par contre, c'est pour le gars qui allume les torches, là, je peux vous dire, il galère. Des barils, exactement. Alors, il n'y a pas que, hein, il manque... Ah, voilà, attendez. Là, on va résoudre le problème tout de suite. J'ai pas une table de craft sur moi, crotte de bique, je suis sûr que j'en ai une là-dedans qui traîne. Me connaissant, j'en ai partout des... Tiens, des bons cocos. Tac. Je sais plus comment on fait des barils. Non, ça c'est des coffres, évidemment. On peut mettre des coffres, hein, si ça, on a le droit. Je peux mettre des coffres. C'est avec des dalles, je crois. Il y a des dalles et je sais plus quoi. Dalles, c'est ça. Dans les bois. Tac, tac. Bah, de toute façon, il va me donner le craft.
Allez, pont. Voilà, très bien. Alors déjà là... ah oui, mais mince, elle va pas être dans le bon sens. Je peux pas la mettre là. Non, on va la mettre là, c'est pas grave. J'aime pas tellement quand ça fait ça. Moi, j'aime bien quand c'est collé, collé au terre. Seulement, il faudrait que je recule... Il faudrait que je recule tout, tout d'un cran, ça va être relou. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave, on la laisse comme ça, tant pis. Il n'y a pas mort d'homme. Donc ça, ça va là. Ça, je vais peut-être la garder pour l'instant. Et voilà. Ça me trigger un peu. Hein. Pourquoi je les ai mis de ce côté-là? Il n'y a pas pour longtemps. Mais alors, quand un truc me plaît pas. Après, je vais y penser toute la nuit. Je vais pas réussir à dormir. Bon, j'exagère bien sûr, mais vous avez compris le principe. Donc du coup, si c'est dans ce sens-là, il faut que je les mette en mode comme ça, c'est ça. Et là, ils seront alignés, oui, c'est ça. Déjà au moins 3. Là, il faudrait que je monte là-dessus. Ok. Encore une. Bon, voilà. Voilà, on est bon. C'est peut-être qu'un détail pour vous, mais après, si je dors pas beaucoup, c'est embêtant. Voilà. Là, c'est bien. Bah, voilà, là, ça, c'est grosse poporte, là. Grosse poporte. Ok. Attendez, on va prendre la version rapide, tant pis. J'ai des ailes pour amortir. Voilà, très bien. Hop. Bim. Super. Alors, vu qu'on est là, il y a un truc très important qui monte, les amis. On va le mettre où? Ici, ça serait pas mal. Ou sinon... ouais, mais non, mais là, c'est bien, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les monastères au Moyen-Âge, il y en a qui mangeaient... Des échafaudages, je sais. Le pire, c'est que j'en ai... C'est trop récent, mais j'ai bien aimé la réponse à mon drain. Ça m'a fait rire. Qui c'est qui a fait sa soupette? Ah, c'est lui. Okay. Donc, pendant au Moyen-Âge, hein, les moines mangeaient en silence, sauf qu'il y en a qui faisaient la lecture, et donc il y en a un qui mangeait pas, qui jeûnait. Et c'était chacun mon tour. Donc, du coup, on va lui faire un petit pupitre. Et en fait, ce qui est assez logique, c'est d'en faire un peu dans ce sens-là. Un truc... on va pas s'embêter. Hein. Qu'il fasse la lecture aux copains. Tac. Tac. Et tac. Tac. Donc là, on va même mettre des petits escaliers. En vrai, j'aurais pu... Je réfléchis. Hein. Donc là, il va monter là... Ah blabla, ta blablabla. Bon, j'en ai carrément 4. Ça fait pas de trop ça. Pour faire la lecture. Je le mets dans ce sens là. Voilà. Voilà comme ça. Oh, vous savez pas quoi. Je suis en train de m'embêter. Si ça c'est bien dans ce sens là. Oui, puis il y a l'escalier pour monter. Non mais c'est cool. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. D'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. les tonneaux. Très important, les tonneaux. Les tonneaux... On pourrait les faire sur un truc qui serait cool, sur des supports. Ça serait pas mal de les mettre... J'en ai mis là. Bon, remarquez, je peux en mettre un debout, déjà, quand même. On peut en mettre un debout, en déco, c'est bien. Comme ça, là, voilà. Ok, un petit tonneau.
Mais j'aimerais bien aussi en mettre un sur le truc et on le mettrait genre par ici. Comme ça, tout le monde verrait bien. Il y en aura dans la cuisine, hein, bien sûr. Hein. Ce qui sera logique. Je regarde l'heure qu'il est. Oui, parce que je voudrais voir le temps. Un tonal. Un tonal des tonneaux. Wenders, voyons. de boogie woogie. Ah là là. Qu'est-ce qu'on ferait sans Schmoll? Schmoll, c'est le surnom d'Eddie Mitchell, je précise. Ouais, on va lui faire des petites... du coup, j'ai des bâtons, des machins, table de craft. Elle est où, la table de craft? Je l'ai récupérée. J'aurais pu en laisser une, quand même, dans un coin, quelque part. Donc, on va la mettre, admettons, là. En attendant, c'est pas définitif. On va se refaire quel petit bâton? Chunk. Du coup, il me faut ceci. Ça sera pas mal pour tenir les tonneaux. Et voir si c'est valide. Donc, je vais en mettre un, admettons, par là. Tac. Et du coup, le tonneau. Normalement, ça touche le haut, donc c'est bon. Paf. C'est pas mal, ça. Un gros tonneau. Attendez, je suis en train de voir. Ça ferait un plus gros tonneau. Mais ça ferait un peu abusé. Ça ferait un trop gros tonneau. Non, c'est bien, ça, c'est un petit tonneau comme ça. Par contre, c'est pas tellement logique qu'il soit là. C'est pas logique non plus qu'il soit là. Mais on remarquait, là, ça va. C'est en self, hein. Chacun vient se servir un petit coup à boire. En plus, comme tout le monde les voit, puis que lui, il est en train de dire « Ne buvez pas trop !» Voilà. Donc, du coup, ils osent à peine y aller, hein. Donc, au Moyen-Âge, il y en a qui... Ça dépend... Ça dépendait des monastères, on va dire. Vous savez que... Petite anecdote. C'est à cause de ça... Enfin, c'est une des raisons qui ont fait que... Les moines blancs, les cisterciens ont existé. Parce qu'en fait, à un moment... Il y a certains moines, ils les appelaient les moines noirs. Hein. Alors, de toute façon, tous les moines noirs n'étaient pas comme ça, bien sûr. Mais il y a eu certains monastères où il y a eu un peu des dérives. Et c'était un peu l'opulence, quoi. Et donc, il y a certains moines croyants qui ont dit « Non, mais ça, c'est quand même honteux. » Alors, pour expliquer à leur décharge, à l'époque, dans une famille, vous aviez un fils qui était militaire, un fils qui était curé et l'autre qui devait s'occuper des terres. Voilà, c'était à peu près dans cet ordre-là. Et donc, il y en a qui étaient plus ou moins croyants dans la famille, mais de toute façon, ils étaient obligés d'être prêtres. Donc, c'est pour ça que vous avez eu un peu tout et n'importe quoi. Et même un peu, enfin, au Moyen-Âge, au pré-Moyen-Âge, on va dire. Avec le chaussé au moine. Donc du coup, quand il y a eu des dérives comme ça, il y en a certains qui ont dit non, mais il faut respecter telle règle. Et du coup, il y a eu une guerre à un moment, et Saint Bernard en a été un des protagonistes. Donc, entre les moines en disant, oh là là, l'abstinence, les machins, arrêtez de donner le mauvais exemple et tout ça. Enfin, c'est marrant. Hein, à un moment, je me suis pas mal intéressé aux histoires des religions, pas que la chrétienté, hein, d'ailleurs, sur d'autres thèmes aussi qui sont très intéressants. Mais donc, des fois, on lit des anecdotes qui sont assez rigolotes. Voilà. Jusqu'à la 34, Red nous confirme. Ça. La 34 ? La trinquette ? Non, c'est autre chose. Voilà. Voilà, donc du coup, mais moi j'aime bien toutes ces petites anecdotes-là, j'en suis particulièrement friand. Et comme je lis pas mal de bouquins, ou je regarde beaucoup de reportages ou trucs comme ça sur le sujet, donc du coup c'est intéressant. Ah, le concile, d'accord, ok. Mais c'est vrai que... mais d'un autre côté, c'est bien, puisque ça... Il y a eu énormément, donc Saint Bernard, c'est genre en 1080 à peu près à la louche. Donc, qui a rejoint les premiers moines cisterciens et d'ailleurs qui ont fondé des tas d'abbayes à travers toute l'Europe. Hein. Ah oui, qui ont mis des règles plus strictes. Oui. Bon, après, t'en as certains qui sont connus, hein, Saint-Benoît, etc., qui ont mis au point des règles assez draconiennes où ça rigolait zéro. Ça rigolait plus du tout, quoi. Ah tiens, on a oublié de mettre nos coffres.
Bon alors, allez, tac. Ceci étant dit, chers amis, je vais ranger... Ah, on a oublié de mettre un tonneau, dis donc. Bon, on le mettra dans la cuisine. On le mettra dans la cuisine. Je veux juste ranger ceci, cela. Un panneau là. Des bouts de bâton ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en bois qu'on va garder? Ça, on garde sur nous. Pourquoi j'ai de la laine comme ça sur moi? J'en sais rien. J'ai encore des bougies. Qu'on peut mettre dans l'église de l'autre côté, mais je vais pas la décorer tout de suite. Tout ce qui est décor, en vrai, on va tout mettre. On va avoir un coffre qu'on va se faire spécial décor et ça sera pas mal. Qui sera pas là, qui va être dans la salle des coffres. Parce que je regarde au niveau de l'heure, on est pas mal, au niveau timing, on est pas mal. Donc du coup, je voudrais qu'on fasse un test de maison qui aille bien avec tout ce qu'on a fait là. Donc pour ça, que je parte pas les mains vides, ce sera pas bien. Par contre, mon souci, c'est que je crois que de la mud brick... ah si, on en a encore un petit peu. Si, c'est bien, super. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Est-ce que j'emmène... on va emmener les shulkers avec nous. Allez. Comme on va pas retourner tout de suite dans l'abbaye, je peux prendre ça. Ça va aller dans les décors et ça aussi. Puis le reste, bon, bah, s'il y a besoin, je reviendrai. Les colorants, tout ça. Ouais. Faudra quand même qu'on fasse des petits allers-retours quand même. Ouais, Sir Sam, c'est ça. En fait, l'aîné, il héritait, hein, donc il héritait de tout. C'était assez injuste, enfin, sauf exception, mais puisque il y a des rois qui partageaient plus ou moins en part égale entre leurs fils et tout, mais dans les familles normales, enfin, plus ou moins aisées ou bourgeoises, ou enfin, quand les bourgeois sont arrivés après, mais admettons, et ben du coup, elle, il y en a qui se retrouvaient dans des situations où t'imagines un gars, le plus chétif de la famille qui se retrouvait dans l'armée. Ça pouvait être embêtant, quoi. Coucou Pastille! Coucou Pastille, j'espère que tu vas bien. Ah. Allez voir ce qu'a fait Pastille, moi j'aime bien. Si vous voulez passer un moment zen, tranquille, voilà. Elle fait des jeux presque en ASMR comme ça, c'est agréable, c'est vraiment agréable. Alors, on a des nanos qu'on veut pas. Nous, on veut pas les nanos, on n'en a plus besoin. Dans la laine, on va ranger la laine, bien sûr, pour le moment. Le lit, je vais le garder sur moi. Ça, voilà. Et on a des coffres de livres, hein, donc du coup... Allez, on va dire que ça sera le coffre plus ou moins à décor. Quoique la terracotta, elle va pas aller là. Mais par contre, on peut mettre des bougies, des loupiottes, on peut mettre des tableaux, des machins comme ça. Des choses comme ceci, quoi. Vous voyez. Là-dedans, je l'ai mis parce que je voulais mettre ça. Voilà. Salut le kiwi. Bah bien sûr. J'ai bien entre parenthèses. Ça va, c'est bien. Ok. Donc on a des shulkers. Et on va se faire un petit exemple de maison. Ah oui, alors attendez. La terracotta, j'en ai là. Et je vais la mettre avec les copains. Ici, deux couleurs. Je pense que là, on se fera un genre de salle du trône à cet endroit-là. Ça s'y prêterait assez bien. Et les escaliers sont provisoires. Hein. Je vais peut-être pas les laisser comme ça, mais... D'ailleurs, oui, parce que ici, faudra peut-être le reculer un petit peu, lui. Parce que si tu arrives là, que juste... Tu dois passer juste là. C'est un petit peu limite. D'ailleurs, j'ai pas... Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard, mais... J'ai ma petite baguette magique.
Là, ça pourrait être un petit salon et tout. Enfin, on peut faire. Il y a plein de trucs qu'on va s'amuser. On va s'amuser. C'est vrai que là, une petite salle du trône, ça pourrait le faire. Juste là. Voilà. F3. Ah, c'est dommage. C'est dommage, il y a le sud qui est par là. Mais bon, c'est pas grave. Je pensais ça pour autre chose, mais. Ah, j'ai gardé mes deux coffres, crotte de beach. Et bah tant pis. Tant pis, on les remettra avec les copains. Alors, petit exemple de maison. Où est-ce qu'on va les mettre? Et ben, on va en mettre tout autour, gentiment. J'aurais peut-être dû faire un petit dodo d'abord, non? Ça aurait peut-être été moins dangereux. Histoire de pas avoir de creeper et de tout truc de truc méchant. Voilà, c'est bien. Ok. Ça c'est agréable. Avec les petits yeux, tout ça, c'est super. Alors première maison, moi je dis que on va s'en faire une par ici. On va s'en faire une par ici. Voilà. Alors, il y a des trucs qui vont disparaître. Hein. Par exemple, ce champ-là, il va pas rester. J'ai l'autre gros qui est là-bas. Lui, il va pas rester. Allez, hop là. Il sert à rien. Vu la taille des champs que j'ai fait de l'autre côté, celui-là, il sert pas. Voilà. En plus, il y a les gars qui bossent là, ils ont qu'à bosser correctement. Bon, maintenant qu'on se rapproche d'eux, ils vont peut-être mieux travailler, hein, parce que ça roucoule quand on n'est pas là, moi je vous le dis. Ah, quand le chat n'est pas là, les vilains dansent. Les gueux. Voilà. Quand le seigneur n'est pas là, les vieux dansent. C'est bon, hein, ouais. Cet arbre-là, il est bon, je le garde. Donc là, il va falloir qu'on aplatisse tout. Donc, il va falloir déjà qu'on prenne ça. Qu'on rebouche... tiens, on a un peu de dirt. Pof. Allez, on va faire ça à la chaîne. Hein. Hop. Hop. Et hop. Voilà, ça sert plus. Toc. Terminé. Ok. Je crois que c'est le moyen le plus rapide hein, pour que ça soit plus cultivé. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois bien. Parce que si tu te mets à t'amuser à faire un saute-mouton partout, on n'est pas rendu, quoi. Je crois. Hein. Là, on n'est pas rendu hein, comme ça. Que là, tu poses tes blocs, zbreu, ça va quand même assez vite. Voilà, là, on va repousser par-dessus, donc c'est très bien. Ouais, je crois que ça va beaucoup plus vite comme ça. Oui, bah, évidemment, ça va revenir. Par contre, disons, les piafs, ils sont en forme, là. On voit qu'il fait beau, hein. Ah, et on a eu un beau rayon de soleil aujourd'hui. J'ai été faire une belle promenade. C'était bien agréable. Bon, même si ça caille, c'est quand même agréable. Je sais pas chez vous quel temps il a fait, mais ça fait plaisir d'avoir quand même un petit peu de soleil. Bien sûr. Salut Zélefé. J'espère que tu vas bien. Tac. Ça y est, j'ai déjà pu. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. À mon avis, on va arriver. Hop, ça, c'est bien. J'espère que vous entendez bien les oiseaux.
Et elle va dire oui, trop même. Je sais pas ce que c'est qui sonne comme ça. Et voilà. Donc ça c'est ok. Très très bien. Alors, gros arbre comme ça, on garde. J'aurais dû le faire pousser un peu plus loin, lui. Bon, c'est pas grave. Bon, on va se faire une maison ici, déjà d'entrée. Donc, déjà, il faut dégommer. Déjà, dans l'ordre, on va poser nos shulkers de construction. De toute façon, les maisons, on va garder le pattern qu'on a dès le départ qui est sympa. On a un pattern qui est cool, donc on va le garder. On va le garder. C'est tout ce que j'ai en shulker. Ah, puis le bois, bien sûr. Évidemment. Voilà. Ok. Alors, faut que j'arrive à pas faire trop gros. Ça, c'est toujours mon souci. Arriver à donner du détail sans non plus faire un truc gigantesque. Mais ça va, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Regardez, le château, il n'est pas si gros que ça, en vrai. Comment je fais pour me... en mode spectateur? Attention à toi, Roi Louis. Hein. Attention. En vrai, ça va. Il n'est pas trop gros, je trouve. Il est à taille humaine. Même même l'abbaye, l'abbatiale, tout ça, ça va, hein, je trouve. On est bien, là, comme ça. J'ai eu des idées hein, pour là-bas, mais on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Alors, il faut qu'on déglingue ce qu'il y a là. Ça, c'est bon. Ça, lui, on peut le virer. Ok. Et puis ça, on peut laisser. Mais par contre, il faut séparer les feuilles, sinon il va pas comprendre. Ils sont bêtes, ces arbres. Voilà. Comme ça, ça, tout ça, ça va tomber. Là par contre j'aurais peut-être la place. De toute façon il va falloir que on fasse un tout petit peu de terrassement. Je veux dire au niveau des machins. On va pas être mal pour faire une maison ici. Ça touche pas normalement, tout ça va virer. On va essayer de pas toucher cet arbre là, il est quand même joli. Il est sympa cet arbre là, on va le garder. On va se faire une baraque ici. Ok, très bien. D'ailleurs je pourrais l'avancer un petit peu. On va la faire par ici. Alors il va me falloir faire de la place. Parce que le brin c'est bien, mais pas tant que ça. Ok. Je sais, là, dans ce cas-là, il y en a quand même beaucoup. C'est pareil, là, il y a une partie du champ qui virera. Puisque là, on aura quand même un chemin. On fera des routes un peu partout. Hein. Bon, pareil, c'est pas fait en un jour, hein, les amis. Donc, on va y aller tranquillou. Coucou TRD! J'espère que ça va. Ah d'accord, Skype aussi, toi, c'était moche au début chez toi, puis après, c'était mieux. Ah, est-ce que je parlais de toi, moi, au départ. On est toujours plus joli au soleil. Un peu plus bronzé. Ça c'est bon, ok. Touch. Ben, je crois qu'on est valide, on est pas mal. Alors les fleurs. Donc,
tout ça. Ça, c'est du blé qu'on va mettre plutôt. Ça, ça va là. Ah bah tiens, j'en avais plein. Ah bah oui, je suis bête. Bon, c'est pas grave. J'avais pas mis... Est-ce que j'ai mis... Ah non, dans les plantes. Tac. Ok. Et des graines. Là, on a ce qu'il faut. Hein. Et encore, on en a des coffres, on en a partout. Ah, les sunflowers, j'ai oublié. Tac, ça, ça va. C'est bon? C'est bon, là, on a plus de place? Oui, c'est bien. Alors, c'est pas tout ça, on va s'en faire encore plus de la place. On va ranger le briquet et on va ranger les cisailles. D'ailleurs, les cisailles, bougez pas, on va s'en faire des toutes neuves. Et voilà, ou presque, presque toutes neuves. Voilà, c'est bien. Et ben voilà, tu vois quand tu veux. Ça, ce que j'en ai besoin, non, je peux la ranger également. Je regarde, on a plus que 5 beefsteaks, mais ça, c'est pas gênant, on va pouvoir en manger. On va pouvoir en consommer rapidement. Et donc, tout ça, c'est bien. Ok. It's perfect. Ouais, je pense que c'est bien à chaque live, en début de live. Genre, on s'aménage une petite pièce. Hein, ça, vous voyez, on n'y passe pas beaucoup de temps, mais comme ça, c'est cool. Pourquoi tu tires à vue? Qu'est-ce qui se passe? Ça pligne, hein, c'est pas grave. Et donc un lit qu'on va mettre tout de suite là. En attendant. Dodo. Ok. Alors, première des choses, on va définir la taille de la maison. Alors, si je veux pas faire trop gros, mais que je mette quand même des petits détails, il va falloir qu'on mette poutre. Alors, je vais pas faire quand même comme on faisait dans la Team Eventine, parce que ça serait quand même abusé. On faisait des profondeurs de 3 voire 4. C'était vraiment abusé. Mais les résultats étaient cool. Je pense qu'on va se faire déjà un petit machin comme ça. Alors si je le fais un cran plus grand. Et merci à Ludo qui a reçu pour son 4e mois. Et merci. Merci à TRD qui a offert un sub à Ch'tite Biloute. Alors merci Ludo. Et merci TRD. T'es très gentil. Voilà, et merci pour tous les follow, hein, bien sûr. Hein. Je dis pas assez, mais merci beaucoup à vous les amis. Alors, là on va se faire une petite maison. On pourrait en faire plusieurs. Mais au niveau dimension, on va se faire une petite maison gentillette. Sauf que si je veux mettre des trucs là-dessus, j'ai intérêt à décaler d'un cran quand même. Qu'est-ce qu'on va faire comme mur? Je pense qu'on va... on pourra utiliser de la smooth. Ça va bien se marier. Ça va bien se marier avec la smooth sandstone. Moi je dis. Je réfléchis. Hein. Si je fais que deux de haut, je pourrais faire une ouverture. On pourra faire un truc cool. Faut pas que ça soit trop gros. J'ai combien de blocs là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11. Comme ça, je mettrai des poupoutres directement là-dessus. Ce serait pas mal. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça. C'est bien ça. Un truc dans ce style. On va faire un truc simple. Ça y va. Si c'est possible. Alors. Ah! Merci TRD! Attends, j'attends peut-être un peu. Merci beaucoup TRD qui a offert un sub à Bernard Campan et à Didier Bourdon. Nos chers inconnus. Voilà, il manquait le Pascal Legitimus officiel. Attention! Je l'attendais, c'est pour ça que je disais.
Attention, attention. Il a... alors attendez. Je vais mettre là-dedans là ce qui me chine un peu. En attendant, on va se mettre ça. Une table de craft qui peut être une boîte à outils. Hein, qu'on peut mettre ici, admettons, hein, c'est très bien. On peut. Ça je garde. Ok. Et le reste, ça va dans le bois. Bois, bois. Allez à bois, bois. Très bien. Un bout de dirt qui me chine. Voilà, c'est bien. Chiffotage, tout ça, ça j'aurais pu le poser là. Ça, ça va là. Ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est vrai qu'on a plus beaucoup de beefsteak, hein. Dis donc. Ok. Ah, bah, mon sodo, j'en ai pas spécialement besoin pour le moment. Mais j'en ai pas besoin pour le moment. D'ailleurs, je vais poser ça aussi à côté. Hop. Et hop. Voilà, on se fait de la place. Hein. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Ok. Ok. Alors, on va chercher la smooth. Tu veux jouer à un jeu TRD ? Qu'est-ce qu'il veut jouer comme jeu ? Ah! J'aurais dû m'en douter. C'est. Alors, ça, c'est le jeu par excellence que je supportais pas à l'école. Ou par exemple, tu sais, il y en a à un moment, il y en a, ils jouaient. Je sais pas si vous avez connu ça, vous. À se pincer les tétons le plus fort possible. Mais quelle horreur!
Vous avez connu ça au lycée ou pas, vous? C'est quand même n'importe quoi. Ouais, je suis... c'est vrai, Cyrus. C'est quand même écrit, voilà. Mais bon. À toi, Al, ça, ouais. Moi, il y en a un qui a essayé une fois. C'est les copains, c'est rigolo. Ouais, non. Moi, je supportais pas. Mais ça faisait mal. Il y en a, ils jouaient à ça, mais paf, c'est. Non, je suis dans ou qui te pince les tétons très fort. Non, ils sont fous, ces Romains. Non, mais ça, c'est hors de question. Alors, je suis venu ici pour une raison particulière. Attends, on peut prendre des vitres comme ça. Ça peut être sympa. On peut prendre des vitres jaunes. Vous allez voir. On peut prendre de la smooth sandstone. Je veux voir juste si ça va passer faire ce que je veux ou si c'est trop abusé. On va voir. Le stone cutter, en vrai, je peux le récupérer. Il n'y a plus rien à faire ici. Cette table de craft, je peux la laisser là en attendant. Bon, le reste, on retriera correctement ultérieurement. Hein, bien sûr. Voilà. Et voilà. D'où vient notre sire ? Qui est ce vilain ? Voilà. Éternel, quand faire un sub à... Maman a dit non. Voilà. Non, c'est non. C'était sûr. En tout cas, merci TRD pour tes subs offerts. C'est gentil. Là où j'ai mis la maison, en fait, c'est pas très malin. Je vais être obligé d'abîmer un peu mon arbre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On dirait qu'il a poussé après. Et puis, ça s'est incrusté un peu là-dedans. Voilà. C'est pas géant. Alors, par contre, j'aurais pu prendre un peu de corseur pour mettre au bord. Ça aurait été sympa. La question, c'est comment est-ce qu'on fait les chemins dans le village? Bon, on verra. Alors, par contre, il fait déjà nuit. Mais il fait tout le temps nuit. C'est moi qui fait tout le temps nuit. Hein. Ah. Et c'est ça. Maman a dit que je peux... pouvoir longtemps. Hein. Donc, ce que je pensais faire... Alors, est-ce que ça va être abusé? Déjà, il faudrait que je fasse un petit plancher. Déjà. Voilà. On va se faire un petit plancher. Simple. Efficace. Oui, de toute façon, c'est à l'intérieur. Hein, donc, on va pas s'embêter. Je vais mettre des dalles et ça ira très bien. Voilà. Sauf que pour éviter qu'il y ait des araignées, bien sûr, on va faire ça. Voilà, c'est bien. D'où vient notre sire ? Qui est ce vilain ? Et merci, TRD qui a offert un sub à Guilhem. Merci beaucoup, TRD, c'est super gentil. Et bienvenue, Guilhem. Tu vois, t'as bien fait de venir. Ça me fait rire parce que... Il y en a quand même pas mal à chaque fois qui se disent « Oh, je vais bien arriver à sub de moi-même. » Mais non, trop tard. Fallait venir avant. En fait, ce que je voulais faire, c'était carrément un décalage comme ça. Et mettre les trucs ici. Est-ce que ça fait pas abuser? Non. Voilà, bon, les maisons à l'intérieur, faudra pas les voir, mais. Moi j'aime bien, ça crée des petits reliefs, c'est sympa, allez. Plutôt que de tout coller, c'est sympa. Allez. Évidemment, c'est. Il y a beaucoup moins d'espace à l'intérieur. Mais 3 mètres, 3 mètres par 8, ou je sais pas combien, ça fait déjà une belle surface. Hein. Je suis pas sûr que au Moyen-Âge, il y en a qui avaient des maisons aussi grandes que ça. Et là, on est dans Minecraft, donc évidemment, ça paraît. Ça paraît petit, mais en fait, pas tant que ça.
Alors pour l'instant je mets les mêmes blocs, hein, mais on va en changer un petit peu, on va mettre des blocs un peu différents partout. Là d'ailleurs, tac. Là je mettrai peut-être une petite barrière, ou alors on la mettra devant, on verra. Ok. Comme ça j'aurais pu faire un peu de texturing quand même. Je te jure. Un petit peu de texturing. J'ai que du smooth là. J'ai plus de shulker, faudrait faire une expédition shulker. On se fera un live expédition shulker. On a beaucoup de trucs à faire en fait. Hein. C'est ça qui est dingue. Voilà. Sandstone. Et sable et verre. J'en ai un petit peu là. Et shulker, j'ai plus de shulker moi. Pourquoi j'ai un casque en diamant? Ah oui. S'il m'en reste une. Sinon il m'en reste une, dis donc. Voilà. Il faudra quand même qu'on s'en fasse. Hop. Attends. Ou alors des colorants, j'en ai peut-être directement plutôt que. Ouais. J'en ai plein en plus. Hop, tagada. Pam pam pam. Voilà, comme ça on mettra les trucs dedans. Ça ira très bien. Je devrais pas garder les fusées à la main. Parce que dès que tu te loupes, tchou. Je crois que ça nous est arrivé tous les joueurs de Minecraft, c'est arrivé à tout le monde, hein, de gâcher 200 000 fusées comme ça. Hop là. Alors, au niveau couleur, on est pas mal. Sauf que faut que j'utilise un peu de rouge pour faire le rappel des bois qui sont là-bas. Bien sûr. Voilà. Et merci Interdé qui a offert un sub à Darkban. C'est pas Darkban. Coucou Darkban. Qui est déjà sub, bien sûr, depuis très longtemps, Darkban. Très longtemps. Merci à toi, d'ailleurs, Darkban, pour ton soutien depuis tout ce temps-là. Waouh. Oui, mais c'est gentil quand même. Ok. Du bois rouge, ouais, j'en ai encore un peu là. Je pense qu'on fera des volets ou des trucs comme ça en rouge. Ça va être joli. Par contre, est-ce que je vais avoir la place de mettre ce que je veux? Là, on pourrait mettre juste peut-être une lucarne. J'en ai des barrières ou pas? Peut-être un petit peu. On va voir les trucs après. Et du coup, ce que je vais faire déjà, c'est mettre ça là. Là. On va mettre tout ça là-dedans. Comme ça sera fait. J'en avais pas d'autres sur moi, non? Et on va mettre des... Ah oui, mais j'ai pris des vitres jaunes exprès. Alors je triche. Parce que le pire c'est que ça se verra. Bon par contre faudra pas aller dedans quoi. Bon en même temps c'est pas fait pour aller dedans. Et je pense que si on met des trucs avec du rouge ça va être joli à mon avis. Genre une porte rouge comme ça. Bon là on la voit pas trop parce que évidemment elle est coincée dans les trucs. Sauf si on rajoute une petite torchinette là, ça sera déjà un peu plus fringant. On pourra mettre, admettons, oh, une petite fenêtre là-dedans, comme ça. Et merci TRD, ah, qui a offert un sub à En Avant Guingamp. En Avant Guingamp, mais bien sûr. Ah, bien sûr. En avant Guingamp, obligatoire. Ok. Toc. Donc ça, on va faire ça comme ça. Est-ce que ma guitare est un fusil, bien sûr. Elle est où la... Elle est là-bas. Hop. Paf. Je regarde si les volets rouges avec les trous, ça passe ou si ça fait chelou.
Non, ça passe, hein. Sans femme aimée. Sans femme aimée. Là, on va en mettre juste une. Juste un bridou. Comme ça. Faut que je récupère mon truc. Juste une comme ça. Donc là, on va mettre ça là. Ok. On va mettre une torche juste là. Ok. J'avais presque envie. Non, c'est bon. Faut pas en mettre. Faut pas trop charger. Ces petites maisons de paysans. On a eu des pauvres paysans. Ok. Donc du coup. Tac. Ok. Et de ce côté-là, si on va quand même en mettre une, hein, sinon ça va être bizarre. Voilà, on va en mettre juste un bridou de ce côté-là. Pouette pouette. Voilà, et merci Terné. Faire un sub à The French Root. Ben, bien sûr. Salut Alessio. Eh ben, dédicace Alessio, pas de problème, pas de problème. Salut Coquio aussi. Voilà. J'espère que je loupe pas trop de gens qui me disent bonjour, hein. Ça sera honteux. Hein. Voilà. Ok, donc petite maison gentillette. Hein. Toute simple, sans prétention. Tac, tac. En fait, vous allez voir ce que je vais faire. J'avais pris des vitres jaunes, mais en fait, ça va pas pour ça. Donc, je vais aller en prendre d'autres, des plaines. Des plaines, je sais que j'en ai dans la baie. Hop là. Donc, on traverse la flotte, hein, gentiment. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Merci, TRD. C'est honteux. Merci pour le sub, TRD, c'est gentil. Voilà. Je t'ai raté, Karami. Non, t'es sérieux. Où ça? C'est la copie conforme de ta maison, Pasti. Ah. Oh, je m'excuse, Karami. Attends. Est-ce que t'as dit bonjour? J'ai oublié de te dire bonjour. C'est vrai, c'est honteux. Même sorcière, regarde, sorcière a fait coucou et puis. Tu vois. Ah, d'accord. Ah, sur le bonsoir. Bon, ça va. Ça va. Tout va bien. Vert. En vrai, tout ce qui est vert, regardez, on va tout prendre. Et on va tout remettre là-bas. J'ai de la place sur moi, tant que j'y suis, on va prendre tout ça. On va prendre tout ça. Je peux prendre un peu de ça, si c'est pas gênant. Un peu de ça, un peu de ça. Et puis tant qu'on est, il y a des fleurs. Du rouge, du saucisson, c'est ça. C'est bon, il n'y a plus de place. On n'a plus de place, voilà. C'est pour vider petit à petit ces trucs-là dans la baie qui me serviront plus tellement. Puisqu'en fait, je me déplacerai surtout avec des shulkers et tout ce qu'il faut pour la déco. Oui, je sais bien. T'inquiète pas, Karami. Je suis très second degré, hein, donc avec moi, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Coucou, mon clampin. J'espère que tu vas bien. Là, là, je fais des bêtises. J'ai pensé, il faudrait que je fasse... Je pourrais faire un petit toit. Comme ça, on verra pas F4. On verra pas l'usine à fer qui est cachée dedans. Qui est là. Oh, d'ailleurs, il n'y a plus de place, crotte de bitch. Il n'y a plus de place, ça despawn. Alors ça, c'est pas bien, par contre. J'ai pas prévu assez de place. Crotte de bitch. Alors, attendez. Là-dedans, on fait ça. Et j'étais un peu loin. J'étais trop loin. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais faire, je vais vous montrer, c'est rigolo, c'est ça. Pour la maison. En fait, on va deviner les carreaux, mais... ça fait comme si c'était bien éclairé. Vous voyez ? Regardez. Vous allez voir, je pense que ça se verra F1. Un petit peu. Bon, là, il n'y a pas encore le toit. Mais quand il y a le toit, on voit le jaune... on voit le jaune derrière comme si c'était bien éclairé et tout. Ça fait joli. Voilà. Des petits détails, hein, ça se voit pas beaucoup, mais bon, c'est sympa quand même. On aime bien. Alors, on va faire un petit dodo. Petit dodo. Oh, c'est petit pas gentil, sa sorcière. Trop d'amour dans ce chat. Ah, attendez. C'est bon, j'ai mis ce que je voulais. Ouais, on est bon. Alors, faut que je retourne.
Alors je comprends pas pourquoi elle fonctionne plus. Parce que les abeilles, il n'y a plus d'abeilles. C'est dommage. Ouais, c'est. Il n'y a plus d'abeilles en fait, c'est juste pour ça. Par contre, j'en ai là. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait les transférer. Dire, tu vas plutôt là, toi. Je sais pas comment est-ce qu'on peut faire ça pour dire à des abeilles, tu vas plus là, tu vas là. Alors là, déjà, si je veux vider le miel, il faut que je mette un feu en dessous et tout. Enfin bon, on verra ça plus tard. Allez. Faut pas que je commence à m'éparpiller, hein, sinon on est mal. Il faut qu'elles en aient envie. Ah bon. Et merci à Terné, qu'à offert deux sommes. À toi, mon toit. Genre, toi, mon roi. Toi, mon tout, mon roi, c'est ça. Et également à la cabane au fond du jardin. Et vous savez, je crois que c'est des noms qui existent en vrai, en plus, hein, sur Twitch. Je crois bien. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois bien que... c'est des noms Twitch qui existent en vrai. Bonjour, comment tu t'appelles? Moi, c'est Cabane au fond du jardin. Ah bon? Est-ce qu'on peut dire que c'est un nom qui est un peu haché? Non, je sais pas. Pardon, excusez-moi. Il faut que je me calme aussi, moi. Ça va pas, ça. Ça, on va le mettre plutôt là. J'arrête de dire des anneries aussi. On va sur sa chaîne quand on a besoin. Ou on tire sur sa chaîne, c'est ça? Ah ouais, on ne peut pas offrir un swap à un compte qui n'existe pas. D'accord? Donc c'est vraiment des noms qui existent pour de vrai, quoi. C'est trop marrant. C'est quand même marrant. T'imagines, mais... Quand même. Parce que... Il y a quand même des noms incroyables qu'on a vus. Terné, il a offert des subs à pas mal de gens différents. Pas que lui, il n'y a pas que lui. Hein. Mais je veux dire, à des gens qui ont des noms vraiment trop rigolos sur Internet. Oh, je te jure. Ça me fait quand même rire. Ça, c'est bon. Les colorants. Je te jure. Tac. Techniquement... ouais, allez, c'est bon, on va pas s'embêter. Les flowers. Flowers. J'ai mis Poppy, mais je me comprends, c'est les fleurs en général. Voilà, on aime bien les fleurs. C'est beau, les fleurs. Mon précieux. Alors là, par contre, pour le faire, il va falloir faire quelque chose. C'est le cas de le dire. Il va vraiment falloir faire quelque chose pour le faire. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et le bois, on verra après. Ok. Je vais rajouter des trucs, où ça on verra après, ça c'est bon. Je veux dire quelle heure il est. Faut pas trop traîner quand même. Hein. Faut quand même pas trop traîner. Ouais mais bon, je vais y aller mon lot avec mes fusées, j'en ai plus des masses, c'est tant que j'ai pas fait d'usine. Après ça veut dire passer du temps pour aller déglinguer du creeper. Donc on peut y aller à pied, c'est pas loin. Hein. On va pas faire son feignant. Hein. Ou alors. Là, ils ont plus de place, là. Il y a plus de place. Pourtant, j'avais mis au moins deux. Ah non, j'en avais mis qu'un double coffre. Ah bah oui, aussi. Je cherche, là. Paf. Alors, et bah du coup, ça va aller mieux. Donc, si je veux faire groupir... Ah oui, non, je peux pas le faire là. Bon, bah déjà là, ça va aller beaucoup mieux. Allez, déjà, ça va aller mieux. Hop. Je vais les mettre en dessous, parce que bon... Après, quand on fait des enclumes, tout ça, ça... Ça part vite, hein. Qu'est-ce qu'elle donne bien, cette petite ferme? Je n'en reviens pas. Je suis quand même... vous avez vu, il y a 3 PNJ, 3 bouts de ficelle. Et elle donne. C'est un truc de fou. C'est incroyable comment ce qu'elle est efficace. Et pas cher. C'est la ferme qu'on préfère, bien sûr. Alors, du coup, on va se faire des blocs.
Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Purée, c'est incroyable. Tout ce qu'on a... un truc de fou. Je vais les mettre en dessous, on va les mettre en dessous, hein, parce que là, au-dessus, on va plus avoir de place. Voilà, donc on va se mettre ça comme ça, ça sera pas mal. En attendant, déjà, parce que sinon, après, ça despawn, c'est embêtant. Merci, mon clampin. Ouais, je l'aime bien. J'aime beaucoup ce petit monde solo-là. J'en ai fait plusieurs, hein, quand même, mais... Celui-là, je l'aime beaucoup. Bon, en fait, j'ai kiffé tous mes mondes solo. Hein. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Ouais. Il est vraiment, vraiment sympa. Les couleurs, les patterns. Et puis surtout, quand à l'un 19, hein, quand il y a eu les nouveaux blocs qui étaient sortis, hein, bah, y a beaucoup de nouveaux blocs, hein, ici. Hein, donc, avec la mud brick, donc les, tout ça, non, c'est bien cool. Je suis content. Alors. Je vais faire un tout petit peu de texturing de brun. On va s'en faire un tout petit peu vite fait. Genre, par exemple... là. Hop. Voilà. Un petit bloc comme ça de temps en temps, ça mange pas de pain. Hop là. Puis on peut en mettre deux aussi. Hein. Voilà, voilà. Ok. Off. Et puis là on peut faire un truc dans ce style. Ça. Et enfin, un petit peu par là. Hop hop hop. Hop. Très bien. Alors merci TRD. Ah super, qui a offert un sub à Yoda officiel. Bien sûr. Voilà, très bien. Bon, il en manque une. Juste là. Merci Inter-D, c'est vraiment gentil d'offrir ces subs. Il y a juste un truc qui me choque un peu. C'est peut-être bête pour vous, mais c'est ça. Voilà. C'est tout bête, mais... tiens. Est-ce que j'ai récupéré de la paille, moi ? Ça traînait, comme ça. Ouais, ça fait plus joli. Ouais. Bien sûr, bah bien sûr. Ok, ça c'est bon. Je voulais rajouter une petite barrière. En haut. En bas là, pas. On va la mettre juste là. Parfait. On la verra après, hein, parce qu'il va y avoir un petit toit qui va dépasser un petit peu. Ça va être mimi. Ça va être magnant. Alors par contre, faut pas trop exagérer. Au niveau du toit. Faudra pas qu'on exagère de trop quand même. Alors on mange. Attention. Très important. Ok. Bon, pour les autres détails, on verra. Après, je vais rajouter, si je voulais un truc important, je voulais rajouter des petites fences au-dessus. Ça va faire chouette. J'en ai pas des toutes faites. Non, que nenni, que nenni. Et ben c'est pas grave, on va s'en faire. Touch, 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 touch. Un stack, je pense que ça devrait aller. Du bois comme ça, il en faut moins. Comme ça, ça, ça. Et ça, ok. La table de craft, elle est là. Zboum. Bim. Change de couleur, toi. Voilà, c'est lui qu'on veut. Et pouette. Voilà, c'est bien. Ça va faire des petits détails et ça va rappeler la couleur rouge. Comme ça, ça va être joli. Ça va être sympa. Hop. Alors, merci pour les follow et merci TRD qui a offert un sub à Geek Bibi. Voilà. Merci TRD. C'est gentil ça, son pépère. Et salut à toi, Guy Bibi d'ailleurs, justement. C'est le moment d'arriver sur le live. C'est TRD qui offre sa fête aujourd'hui.
D'ailleurs, hier, c'était la Saint-Dinan. J'en ai pas fait assez, dis donc. Je croyais que j'en avais fait assez, tu vois, même pas. Oula, peut-être pas quand même. 25, ça c'est bon. Parce qu'il ne reste plus que ça, puis la fin de l'autre derrière. Du bois rouge, j'en ai. Ok. Salut, Valou la quiche. Bienvenue à toi. Il y en a qui m'ont entendu, tu vois. Du rouge. Paf. Paf. Est-ce que 8, je pense que ça va suffire pour terminer. Ah, peut-être pas. C'est pas sûr. Aussi, eh, dis donc, eh. Tout est calculé, les amis. Tout est calculé. Beaucoup de chance. Coucou, mon Lolo. Ouais, mais Skype, on le voit souvent. Ah, comme il est modo, et puis il vient me trash talk un petit peu de temps en temps, sinon... Il est obligé de passer de temps en temps, sinon ça va pas. Ça. Il s'ennuie dans sa grande maison tout seul, hein, il se dit... je vais aller voir Roi Louis, ça fait longtemps que je l'ai pas embêté. Ah, je vous jure. Mais ça fait plaisir... de voir passer des WG. Donc, quand même, hein. WG, moi, c'était en 2005 hein, que j'avais rejoint les VG. Donc, c'est bien. Hein. Et merci, TRD, qui a offert un sub à Valoulaki. Je suis trop gentil. Merci, TRD. T'as vu? Ok, bon, elle est mignonne sur petite maison. On peut même rajouter des trucs en bas et tout, hein, mais bon, on va pas, il faut pas qu'on surcharge trop. Je pense que là, pour une petite maison de paysan, en vrai, c'est bien. C'est bien, on va pas pousser mémé. Alors là, par contre, je vais avoir plusieurs choix, des bons et des moins bons. Toc, on va prendre ça, ça et ça. Alors, pour la forme du toit, je pense que je vais mettre bloc. Est-ce que je le fais beaucoup dépasser ou pas beaucoup dépasser? That is the question. Allez, j'ai des échafaudages. Parce que le choix, c'est soit je mets des dalles directement là, soit des blocs pleins avec des dalles qui dépassent encore en plus. Je pense que ça devrait pas être mal, on va voir. On va faire le test là, à cet endroit-là. Là, c'est pareil, je suis pas obligé de... Ah bah oui, c'est vrai, je n'étais pas obligé de monter là. Bon, c'est pas gênant. Vous savez pas quoi, on va quand même abuser un tout petit peu parce qu'on aime ça. Donc là, en fait, je vais mettre des blocs pleins. Ok, puis on va mettre des dalles qui dépassent encore un petit peu. Alors, si c'est trop abusé, tant pis, je casserai. Hein. C'est pour voir la forme, déjà. On va voir. Si c'est vraiment abusé ou si ça va. J'ai que ça comme dalle, moi. Ah, ça va, j'ai un Stonecutter sur moi. Ouf. Il est chaud. Tac. Combien est-ce qu'il m'en faut? Pas trop. Ça devrait aller. Ça devrait aller, je pense. Pouette. On récupère ça. Ok. Donc, du coup, hop. Évidemment. Évidemment, sinon c'est pas drôle. On va essayer de pas trop le déglinguer, le machin. Pas trop. Ok. Ok, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Pareil de l'autre côté. Vite fait, bien fait, hein. On verra si, ouais, de toute façon, s'il faudra rajouter une épaisseur à cet endroit-là. Du coup, est-ce que je les mets à l'envers? Ouais, ça fera plus joli. Tac, tac, tac. Donc, on va le mettre. Ah, ou alors dans ce sens-là? Non, ça fera plus joli comme ça. Ouais, ça fera plus joli comme ça. Pouette. Tac. Tac. Alors, il faudra que je reprenne un peu de jaune.
Hop. Escalier à l'envers. Ici. Voilà, c'est bien. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. On va prendre ça. Il me reste des... Non, eh ben on va s'en faire un petit peu vite fait. Oui, oui, oui. Rouge. Merci. Merci. Hop là. Très, très bien. Ah, ça va être trop loin. D'un cran. Zut. Pas pensé à ça, dis donc. Sauf si je lui mets un bloc là pour cacher. Ah, à son pépère. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Ok. Nice. Donc là on est bien. On monte ici. On bouge. Là je vais monter de combien? Je vais un seul escalier. Tac, tac. Tac. Là je vais monter deux. Et puis là on aura plus que un ou deux. On va voir. Attends. Là je vais avoir un escalier. Oui donc j'en ai mis un de trop. C'est ça. Ici. Ici. Escalier. Et là on va mettre deux blocs. Ici. Ça va être pas mal. On verra si c'est pas trop abusé. Et pas. Voilà, tout ça pour donner une petite forme sympatoche au truc. Comme ça, j'aurais dû commencer par de l'autre côté. Là. Hop. Hop. Là, je dépasse des deux carrément. Ouais, c'est pas gênant. En vrai, c'est pas gênant. On va faire hop. Hop. Voilà. Touch. Touch et touch. Crop de bitch. Voilà, c'est bien. On va voir si la forme est cool. Du toit. Le plat. Escalier à l'envers, escalier à l'envers, escalier à l'endroit. Comme ça. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça raconte comme forme, ça? C'est rigolo. Ouais, c'est bien. Regardez. Bon, là, évidemment, il n'y a pas la profondeur, mais en forme de toit, c'est un peu rigolo. Bon, je dis que c'est pas mal, en forme de toit. Ouais, c'est cool. On va même ajouter un petit truc tout en haut. Il me reste des petites barrières. On peut en rajouter une en haut. Et puis, ça ira pas mal. Pourquoi j'ai retiré ça? Allez, pour faire ça. Ok, donc là, on va boucher ici. Avec ça. Hop. Mettre une petite barrière de fin à cet endroit-là. Éventuellement, une petite lanterne. Hein. Éventuellement. On fait tout en éclairage, excepté la torche qui est là. On fera tout en éclairage caché. À l'intérieur, j'aime bien comment ça fait. Et puis, c'est cool. Ah, ça fait pas trop exagéré. Non, ça va. Ça va. Ça va. Voilà. C'est une question d'attente de Lolo. Sapin, normalement, t'es arrivé plus tard, je crois. Une seule PC, c'est un vieux WG. Écoute, ça me dit quelque chose. En vrai, ça me dit quelque chose. Mais... pas autant que Ravage ou Typhus, ou évidemment. Mais ça me dit quelque chose. Mais pas sûr à 100%. Ah. Bien vu, bien vu, bien vu. Enfin, il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Est-ce que j'ai plus le droit de vote? Coquille, je te jure. Ah, ça fait des bons souvenirs. Allez, ça c'est bon. Comment je... Ah bah c'est comme ça, tout simplement. Ouais.
je te jure. Tac, tac. Ah oui, par contre, là, j'ai fait que 2-1. Oui, il va falloir quand même pousser un peu mémé, là. Ah, je peux plus sortir, je suis coincé. Attendez, on va le mettre comme ça. Faut que je me descende d'un cran. Ouais, comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, et puis là, ici. Poète. oula, oula, oula. Bon, lui, il m'enquiquine un peu, lui. Hein. Voilà. Je te jure. Ah, il fallait pas... Je voulais l'enlever autrement. Allez, c'est pas grave. J'ai failli dire un gros mot. C'était pas loin. Tac, et puis là... comme ça. Voilà. Comme ça, les feuilles ne nous gêneront pas longtemps. Hop, 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 hop. Voilà. Et merci à TRD d'avoir offert ça, bah, en kikineur du chantier. Eh, mais comment vous faites pour arriver... Comment tu fais, TRD, pour arriver à trouver tous ces noms tordus qu'ont des gens? T'essayes de voir si ça existe sur Twitch ou je sais pas comment ça marche. Pour arriver à trouver les noms... parce que quand même, il y en a quand même des pas mal. Hein. Je te jure. Allons vers lui. Poète. Ah d'accord. Bon bah, il saura pas, alors tant pis, c'est pas grave. Faudra pas oublier la cheminée, les amis. Très important. Petite cheminée. D'ailleurs là c'est pas possible, il y a une erreur. Eh oui, bien sûr, je me suis brûlé, sinon c'est pas drôle. Là c'est bloc plein. Et là c'est bloc à l'envers. Hop là. Bim. Bien, il me l'a rendu du don. Truc de fou. J'aurais pas cru. Allez, hop. Et les blocs à l'envers, ils sont ici. 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 Ici et ici. Ah, est-ce que je vais réussir à aller là-bas? Ouais, super. Et merci TRD. Qu'a offert à ça? Bah, j'ai du flair. C'était pas loin, Skep. T'étais pas loin, tu vois. C'était pas au pif, mais presque. Ok, tac, 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 et enfin la petite finition qui va là, bim. Voilà, chachez bon, je pourrais même encore exagérer, mais ça peut-être, attendez, F4, je regarde un truc, voilà, juste pour savoir qu'est-ce que je mets au-dessus. Qu'est-ce qu'on met au-dessus? Après, je suis pas obligé de mettre des trucs au-dessus. Juste, je voulais éviter que ça spawn. Ou alors... Ah bah non, mais les barrières, on verra en dessous, ça ira pas. Crotte de bique. Ah, pas forcément. Pas forcément si on fait... comme ça. Ah oui, mais là, je peux pas la mettre. Crotte de bique. Et là non plus, en plus. Ah oui, si, c'est embêtant. Non, bah tant pis, on va... c'est bien comme ça. Voilà. De toute façon, comme on va lui mettre du feu, ça va pas spawner parce qu'il y aura du feu. Vous allez voir ce qu'on va faire. Ça va être marrant. Ou pas. Si, ça va être marrant. Bon, en tout cas, pour l'instant, elle est mimi, la petite maison dans la prairie. On va en faire plusieurs, des styles un petit peu différentes. Enfin, dans ce style-là, toujours regardant le même pattern, mais voilà. On en fera plusieurs des petites maisons comme ça, c'est mignon. C'est mignon. Je suis pas mignon. Alors, par contre, c'est pas terminé. Donc, il nous faut... bon, ça, je peux le garder sur moi. Par contre, j'aurais peut-être dû faire dodo avant. Ah, regardez. Je viens de retrouver un under chest que je cherchais la dernière fois et je savais plus où est-ce que je l'avais mis. Il est là. Cela, en fait, il n'y a aucune raison qu'il y ait un under chest à cet endroit-là. Alors là, personne ne s'en serait rappelé, hein.
Pomme de renette et pomme d'api. Ah oui, parce que je crois que t'as des... comment dire, tu as des notifs. Tiens, un tel vous a offert un swab à un tel. Moi, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir quelqu'un parce que j'avais été sub chez cette personne-là. Ça, moi, à moi, ça m'est déjà arrivé, en tout cas, de le faire. C'est marrant. Touch, touch. Voilà, très bien. Et, ouais. Là-dedans. Et de la brique. Il en reste un peu, normalement. C'est pas là. Là, c'est en dessous. Je m'étais trompé. Oula, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup. Quatre blocs. Ouais, quatre blocs, c'est bien. C'est bien, quatre blocs. Ouais, c'est bien, quatre blocs. Donc, je vais ranger ma clé là-dedans. Touch. On va prendre... Alors, il y a plusieurs sortes de cheminées qui sont rigolotes. Vu la taille de la maison, on va mettre plutôt des trappes d'or. Alors, par contre, qu'est-ce que je mets comme trappe d'or? Au niveau de la couleur, des comme ça. 1, 2, 3, 4. Je pense que ça sera un bon compromis. Ça sera un bon compromis. Et on va mettre du feu. Alors, je sais que c'est un peu abusé. Mais feu de cheminée, feu de cheminée. Oui, Guide Bibi, à un moment j'avais perdu un Ender Chest dans un des lives précédents et impossible de me rappeler où est-ce qu'il était. Même Dudu, il était revenu en arrière et tout, on avait cru que c'était inquiété là-bas, mais j'étais pas sûr du tout que c'était ça. Mais en fait, c'est bon, en fait, elle était là. Elle était là. Principal, c'est qu'on la retrouve. Ah, bien sûr. Je pense que... Oui, on verra ce qu'on fait ici. On en rajoutera des trucs. On en rajoutera. Hop là. Voilà. Ici, de toute façon, même là, on prendra les blocs de dirt un peu sales pour en mettre un peu partout et faire des petits cheminounets... Mélange corse dirt, corse et puis épluché. On va faire des trucs un peu dans ce style, quoi. Tu vois. Un peu comme ça. Je pense que ça fera sympa pour faire des petits chemins dans le village. Parce que de la pierre, dans des villages médiévaux, c'était quand même pas souvent. Enfin, c'était vraiment dans les villes, quoi. Mais dans les villages comme ça, ils s'embêtaient pas à faire des belles routes et tout ça. Ça va des cartes-filles. Il est beau, Coco. Ah, Vanders. J'ai perdu mon underchest et tout le stuff qu'il y avait dedans. MDR. Hop, hop, hop. Ah, bon, attends, on va faire ça après. Ben, si, de toute façon, changer de remontée. Juste au niveau pour que ça fasse beau, F4. La cheminée, on va la mettre genre ici à peu près. Ouais, ça, F4, ça va pas être mal. On va se la mettre par... Ah ouais, mais c'est pas legit, il y a une fenêtre à côté. Ah, crotte de bitch. Ouais, bon, on s'en fiche un peu. Non, c'est pas RP, c'est pas RP. La fenêtre, elle est où? Elle est là. Bon, bah, je vais la mettre sur ce bloc-là, alors. Si la fenêtre est là. On va mettre une cheminée là. Là, y a rien, là. Ah, il peut y avoir une petite cheminée. Parce que tout de suite, on dit les cheminées, ouais, mais... Parce que forcément, ça fait tout de suite très gros. Ah, oui, mais j'ai pas fait de machin. J'en ai vraiment plus beaucoup. Hop là, ça, c'est les aérofreins. Là. Le demi-tour droite. J'en ai au sous-sol, plutôt. On va prendre au sous-sol. Hop là. Un petit charbon. Pouette. Table de craft. Qu'est-ce qui me manque? C'est des bouts de bois comme ça.
Ok, très bien. Voilà, cool. Bon, alors on va commencer à y aller mollo avec les trucs. Regardez, je me promène avec du feu dans les mains, c'est incroyable. Ouais. On va pas s'envoler avec les ultras, cet endroit-là. Elle est bien là, cet endroit-là, la cheminée. On a une fenêtre juste à côté de la cheminée. Là, ça, en vrai, c'est bon. Parce que la fenêtre est là, mais la cheminée, elle est à côté. Voilà. On dirait que ça ira. Hop. On va monter un peu. Ok. Ok. Tac, tac, tac. Donc ici, on va mettre ça. Comme ça. Et on va mettre... Hop. Ah zut, fait des bêtises. Hein. J'avoue, je vais me cramer les. On va se cramer. Évidemment qu'on va se cramer, sinon c'est pas drôle. Comme ça. Alors c'est marrant. Voilà. Bon, ce qui est important, c'est que ça fasse de la fumée. Bien sûr, il y a un peu de feu qui sort, mais bon, c'est pas grave. Des feux de cheminée, ça arrive tout le temps. Mais oh crotte, en tout cas c'est sympa, regardez. Avec la petite fumée qui sort et tout, j'aime bien. C'est un exemple, hein. Il y en a des tas d'autres, mais là, vu la taille de la maison, je pouvais pas me permettre de mettre des escaliers à l'envers autour. Ça aurait fait un peu badass, un petit peu trop gros. Ça aurait fait un peu abusé. Que là, voilà, ça reste fin, ça reste mimi. Et c'est cool. C'est cool. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, par contre, c'est... Oh purée, il est 23. Il est 23, mais crotte de nez, on n'a pas le temps de... Tout avance trop vite. Alors, tac, 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 tac. Et puis c'est tout ici. Pouette, 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 pouette. Si ça fait assez de luminosité, ça pour le toit, je pense, ouais. C'est pas mal. Alors par contre... J'avais pas une pelle Sea Touch dans le temps, je crois. Je crois que j'en avais une pelle Sea Touch. En tout cas, elle est pas dans mon... Ah si, je suis bête. Regardez ça. Bah bien sûr. Bah, bien sûr. Je savais bien que j'avais une pelle Sea Touch. Enderman, les Enderman qui s'amusent par là encore. Voilà. Puis on peut se prendre un petit peu de beurre comme ça, faire des petits mélanges. Faudra que je trouve la corse d'herbe, je me rappelle même plus. Je crois qu'on peut la crafter, la corse. Vous savez, où ça repousse pas dessus. Je crois qu'on peut la crafter, mais je sais plus comment. S'il y en a qui se rappellent comment ça se craft, vous savez, c'est pas de la comme ça, ça c'est de la pozzole, mais c'est de la dirt, c'est dirt et gravier. Ok. D'accord, merci, merci, merci. Ça fait pas mal de faire un petit mélange. Un petit mélange comme ça. Un petit mélange comme ça. Là, on peut en mettre à côté. Un petit mélange de dirt comme ça, c'est sympa. Donc du coup, il me faut un peu de gravier. Ils sont où mes beefsteaks ? Beefsteak. Alors pour faire des petits chemins, ça sera sympa. Vous allez voir. Histoire de changer un peu les couleurs, que ça soit pas toujours du gris. Surtout dans le village. C'est quand même plus cool. Ah là là, j'ai mal au dos. Crotte. Crafter la Corse. Tiens, j'ai vu un truc marrant il n'y a pas longtemps. Vous savez qu'on peut choisir les plaques d'immatriculation hein, comme on veut. Hein. Par exemple, moi je suis en Picardie, donc dans l'Oise, dans le 60. Mais si je veux avoir ma bagnole en 2A, en Corse, eh ben je peux.
parce que maintenant c'est plus obligé d'habiter l'endroit. Et en fait, il y en a pas mal qui ont choisi 2A ou 2B, parce que il y a eu un sondage qui a été fait, ils se sont rendus compte que on attaquait jamais ou très très peu les voitures des Corses. C'est quand même marrant. J'ai trouvé ça incroyable que justement que il y a des gens qui fassent ça en se disant de toute façon on n'attaque pas les Corses, donc on va immatriculer en 2A ou 2B nos bagnoles. C'est pas bête. Je revenais pas que c'était quand même à ce point-là, quoi. Voilà la Corse d'or. Tiens, très bien. Paf. On y a pas beaucoup, mais c'est marrant. Hein. Ah, c'est... t'as pas tous les choix. Ah, d'accord. Et oui, Pastille, je sais bien. Mais il y a la réputation qui compte. Hein, qui est... Il y a quand même une réputation où, bon, les... T'as pas envie d'embêter les Corses sous peine de te faire éclater ta bagnole. Boum. Bon, j'ai plein d'amis corses, hein, plein. Hein, donc, j'ai pas de problème avec ça, mais ça m'a fait rire. Je peux plus le faire. Hein. Ah bah si, je suis bête. Ça m'a fait rire d'apprendre ça, quoi. Qu'il y en a plein qui faisaient ça, justement, pour éviter d'avoir des problèmes. Je trouve ça trop drôle. Hop là. Ah, par exemple, un pastille, tu te fais agresser dans le métro, tu te dis, fais attention, je suis corse et j'ai des frères. Donc si tu tiens à ta vie, parce qu'eux, ils vont te suivre jusqu'à la fin de leur jour, ça va être leur mission, de te trouver. Juste, tu dis ça, juste de te trouver. Voilà. T'imagines ? C'est quand même... C'est important, ça. Ça, c'est de la dirt. Bon, après, il y a des légendes urbaines comme ça, bien sûr, mais c'est marrant de penser ça. Voilà. Enfin, bon, bref, on fera des petits chemins dans ce style. Je pense que ça sera sympa. Des petits chemins comme ça, avec des petits mélanges. C'est cool. Ça le fait. Puis on va quand même, hop, l'élargir un petit peu. On peut en mettre un comme ça, et puis, comme ça, voilà. Fera des petits mélanges sympatoches. Et voilà, une petite maison, sans prétention, mais dans laquelle il fait bon vivre. Ah oui, ah, en plus, c'est trop marrant. Là, j'ai dit ça au pif, mais je sais que moi, je serais une fille corse. Je me gênerais pas dès qu'il y en a un qui m'embêterait. Hein. Mes frères, ils vont venir te chercher. Ils vont passer le reste de leur vie à te trouver. Et là... Tu sais ce qui va se passer. Evangega, si tu le regardes. Bisous. Voilà. Bon, il est l'heure. On va arrêter de dire des âneries, hein, je vous jure. Eh ben, regardez. Attendez, on va se mettre... ça va aller plus vite. Bon, mon corps est là. Il faut que je fasse attention. Je passe en mode spectateur. Regardez, elle est sympa quand même, ce petit réfectoire de moine. Voilà, avec le petit endroit pour lire les psaumes et tout ça, très bien. Hein, parfait. Il y aura d'autres endroits à meubler, mais on fera ça petit à petit. Là, dans le château, on a du monde. Hein. Je pense qu'on se fera bientôt une petite salle du trône ou quelque chose et tout. Et puis, on fera des petites maisons comme on a fait là. Il y a des moitiés qui sont mimi. Elle est mignonne, cette petite maison, là. Simple et efficace, hein. Voilà. Oh, tiens, j'ai oublié des échafaudages derrière. Ils sont... Ça faut pas que je les oublie, parce qu'après, on les cherche partout. On les cherche partout, et puis, voilà. Alors, je peux rajouter, évidemment, des petites barrières avec 3-4 bestiaux, etc., etc., hein, bien sûr. La vache et le prisonnier, tout ça, bon, voilà. Voilà les amis, j'espère que ce petit live vous aura bien plu. Comme on est encore nombreux, on va hoster quelqu'un qui le vaut bien. En tout cas, encore un gros merci à tous ceux qui ont fait des subs, des bisous, des câlins, des follow, tout ça, et ne serait-ce que pour votre présence, gros cœur sur mes petits modos d'amour. Prenez bien soin de vous, on se retrouve demain, normalement, mardi, on sera sans doute sur du Valheim avec le Alpsumet pour cette...
sur notre petit monde qui est bien rigolo. Surtout que demain, on risque d'avancer, de faire des trucs qui vont faire peur. Oh là là. Enfin, on verra. Voilà, allez, bonne soirée à tous, des gros bisous et à bientôt. Tchou-tchou. Alors, il faut que je... Attendez, déjà, il faut que je fasse ça. Il faut que je regarde... attendez, on est quand même en... Je suis quand même en hardcore. Je vais pas faire de bêtises. Ce serait quand même dommage. Alors, qui c'est qui stream? Qui n'est ça qui stream? Pouette, pouette, pouette. Pouette, pouette, pouette. Que je regarde... Chakajou, chakajou. Alors, Alps, je pense qu'il va faire une pause manger ce coup-ci, parce qu'en ce moment, il est à fond dans son machin. Qui c'est qu'il y a ah, bah tiens, il y a Kishi qui a lancé un truc. Oh, vous savez pas je vais hoster quelqu'un que j'aime bien, que vous connaissez, je pense pas que vous connaissez, mais qui est vraiment sympa. Et qui s'appelle Bradani et qui a fait plein de vidéos Valheim vraiment sympa. Et ça va lui faire plaisir, je pense. Si vous le connaissez pas, il est cool comme gars. Il est vraiment très cool. Et fort sympathique. Et il a fait des très très bonnes vidéos sur Valheim, posées, tout. J'aime bien sa voix. Donc vous lui ferez coucou de ma part. Bon, enfin, je lui ferai coucou d'ailleurs moi-même. Hein. Voilà. Attention, ça part dans moins de 20 secondes. Ah, donc ça va partir très vite. Oh, Andy, j'ai fait une grosse bêtise. Alors ça part dans 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Des bisous, bonne soirée à tous, à tchou-tchou. Beaucoup trop. Oh là là, et Roi Louis qui nous raide. Merci beaucoup Roi Louis, et bienvenue à tous les petits Louis sur ce stream. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon live avec Roi Louis. Est-ce que vous étiez sur Minecraft ou sur Valheim? Merci beaucoup Roi Louis, merci beaucoup. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir Clampin. Bonsoir Pastille. Et merci pour les follow, merci beaucoup. Minecraft, Valheim demain. Ah là là là. Bonsoir à tous, bonsoir Line.